Voilà. C'est très très bien. Mais quelle ambiance! Ils sont heureux, regardez-les comme ils sont beaux. Ah, ça fait du bien. Ah ça, ah, ça oui. Ça oui. Bon, ça va, on a compris, c'est très gentil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour La Tronche en live numéro 114. Il n'y a pas de programme génétique. Donc j'ai préparé un éditorial assez émouvant, vous allez voir, c'est une lettre d'adieu, une lettre de rupture pour le paradigme du programme génétique. Donc je vous lis la lettre que j'ai écrite pour le programme génétique. Cher programme génétique, je dois prendre la plume pour faire avancer notre histoire. Oh, je t'aime, tu le sais, mais nous avons passé des années ensemble. Tu m'as séduit sur les bancs de l'école, notamment parce que tu offrais une image intelligible de la vie. Avec toi, je me sentais plus fort, en terrain sûr, comme avec un livre rempli des secrets de l'univers qu'il suffirait d'apprendre patiemment à lire pour n'avoir jamais plus de mauvaises nouvelles. Tu sais bien comment, enfant, j'adorais parcourir la vieille encyclopédie, juste heureux d'être au contact des connaissances qu'elle renfermait. Je parle trop vite, c'est l'émotion. Et puis l'ADN, mon cher programme. L'ADN avait son langage, et j'avais le sentiment que cela me rapprochait du vrai, qu'il s'agissait d'une connaissance objective, inscrite dans nos cellules par la nature elle-même, sans intermédiaire, sans clergé ou académie pour décider ex cathedra ce qu'il était convenable de dire ou de savoir. Tu m'as aidé à me passionner pour le vivant et à m'accrocher à cette idée d'un code universel, d'une forme ultime de simplicité, quand, dans mes études, j'ai dû faire face au concept que les généticiens inventaient pour rendre compte de ce qui finalement n'était pas si simple. N'est-ce pas ? Tu m'as menti. Un peu, mais j'étais pour ainsi dire consentant. Je suis comme tout le monde, je fréquente plus facilement les idées qui flattent mes attentes. Et puis ta molécule totem, ton ADN, bien aimé, a fait des merveilles, ça il faut l'admettre. Sur certaines maladies génétiques, tu as obtenu des résultats formidables. On avait peut-être raison de te croire à l'époque. Ceux dont la vie a changé grâce à toi n'ont aucune envie d'être ingrat, évidemment. Mais tu comprends, même les idées brillantes sont parfois temporaires. Le progrès de la connaissance n'est possible que si nous restons ouverts d'esprit. Et je me rends compte que je bafouille, oui. Et je me rends compte que j'attendais trop de toi. Je ne peux pas te demander de l'impossible, cher programme. J'aurais dû voir plutôt que quelque chose clochait dans cette histoire. Le problème, c'est moi. Mais si, mais si. Tout de même, j'avais tiqué quand on m'a appris ton dogme central. Dogme central, c'est comme ça qu'on disait dans les classes et dans les laboratoires. L'idée centrale d'une correspondance parfaite, d'une continuité simple entre la séquence des acides nucléiques de l'ADN et celle des acides aminés des protéines, ce qui rendait chaque fonction biochimique prédictible à partir de la séquence génétique et entretenait la métaphore de la technologie appliquée au vivant. Le rêve de pouvoir un jour reconstituer virtuellement un organisme tout entier à partir de sa séquence. C'était beau. C'était un peu orgueilleux, mais c'était beau. On se croyait au seuil du grand décryptage de la dernière étape vers la compréhension du vivant. Et dans mon attachement à toi, c'est peut-être à l'ombre de cet orgueil que je m'agrippe. Oui, programme. Parce que j'ai peur d'être seul si je te laisse partir. Mais il le faut. Pour respecter notre histoire, les bons moments, les vraies découvertes, les avancées, nous n'avons pas le droit de chercher à la retenir indéfiniment dans le présent. Aujourd'hui, je vais tenter de tourner la page, mais sans te tourner le dos. Non, je veux qu'on revisite ensemble notre histoire et qu'on se rassure sur le fait que demain, nous aurons des mots de remplacement pour décrire ce qui se passe dans la matière vivante, comment elle s'organise, comment elle se perpétue en transmettant quelque chose, peut-être de l'information, peut-être pas. Peut-être des structures ou des lois encore à découvrir. Voilà. Ce n'est pas un adieu, cher programme. Restons en contact, s'il te plaît. Et pour aller au-delà de l'émotion qui vous étreint certainement à la lecture de cette lettre très intime, je vous remercie, accueillons notre invité de ce soir. Il est généticien, enseignant-chercheur à AgroParisTech. Il a contribué à documenter l'hétérogénéité et l'imprévisibilité des fonctionnements cellulaires. Il est l'auteur du livre Infravie, on en dira deux mots tout à l'heure. Et c'est aussi un romancier nommé au Goncourt du premier roman pour 116 Chinois et quelques. C'est pas impressionnant ça ? Thomas Himes, mesdames et messieurs. Monsieur Himes, bonsoir. Ça va bien ? Très bien, très bien. Merci de votre accueil. Pas trop ému par ce courrier intime. Pardon, j'étais un petit peu impudique devant vous. C'était d'un grand lyrisme.
Ça m'a ému. Merci, Vlad. Je sais que voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir sur le des mots qui ont été dits dans l'édito qui vont pas, ou est-ce qu'on attaque directement? Non, non, on peut attaquer directement. Je pense que d'une manière imagée, vous avez évoqué les grandes lignes des raisons pour lesquelles une notion comme celle de programme génétique doit pouvoir être critiquée aujourd'hui. Donc, allons-y. Alors, donc, on va commencer par les bases. Qui ici n'a pas fait de génétique à l'université? Ça arrive à des gens très bien. Hein. Grande majorité, voilà. Donc, donc, du coup, on va reprendre des trucs genre, c'est quoi un gène? C'est quoi l'ADN? C'est quoi l'ARN? Pour remettre les gens à niveau, vite fait. Alors, c'est en apparence une question simple de commencer par définir des concepts de base. Et pourtant, déjà même le concept de gène est un concept compliqué au sens où il a évolué au fur et à mesure des années. On sait que la génétique a été, alors on le sait pas, mais on est là pour le rappeler ou pour l'expliquer, que les lois de la génétique, ce qu'on appelle les lois de la génétique, ont été découvertes par Gregor Mendel en 1865 dans un environnement assez... Un moine, dans le prieuré de Brno, peut-être que je prononce mal, une ville en Moravie. Voilà, dans un contexte assez confidentiel, il publie des résultats dans une revue qui n'a pas beaucoup d'audience, on va dire, ce qui nous ramène à des débats contemporains sur l'audience des revues. Et ces travaux vont rester assez largement ignorés pendant 35 ans, jusqu'en 1900, où ils sont redécouverts par toute une série d'auteurs, on pourra revenir là-dessus, et c'est dans les années 1900 qu'on va forger le concept de gène, qui est censé être le représentant matériel, l'entité matérielle, qui, à l'intérieur de nos cellules, détermine un caractère, croit-on. C'est-à-dire, c'est intéressant par rapport à la chronologie, c'est que Mendel, c'est la même époque que Darwin. Voilà. Mais Darwin n'était pas au courant de tout ça, on va en supposer. Non, alors Mendel a envoyé l'histoire... Peut-être un peu la légende, mais je crois que c'est l'histoire. L'histoire veut qu'on a retrouvé un tiré à part des articles de Mendel dans la bibliothèque de Darwin, mais pas coupé au couteau. Donc on pense qu'il ne les a pas ouverts. Oui. Donc est-ce que Darwin aurait altéré ses travaux s'il avait connaissance des travaux de Mendel? C'est un peu une des... Alors oui, tout de suite, c'est une grande question qu'on se pose. Alors, pour répondre, on se pose cette question aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de voir marcher comme sur deux jambes tout à fait en harmonie l'une avec l'autre, la génétique et la théorie de l'évolution. Il faut comprendre que ça n'a pas été toujours aussi simple. Au début du XXe siècle, il y avait un important conflit apparent entre la génétique et la théorie de l'évolution. Et de fait, Mendel ne s'intéressait pas du tout à l'évolution, il s'intéressait éventuellement à la diversité. Il s'intéressait à l'hérédité, à la transmission des caractères, mais pas forcément, parce qu'on peut s'intéresser à la manière dont les caractères se transmettent sans forcément imaginer qu'il y ait des dynamiques qui les fassent changer au cours des générations. On peut être, dans l'esprit de Mendel, je pense, on peut être éventuellement, c'est un peu iconoclaste de dire ça, mais très fixiste et pourtant croire à une loi héréditaire qui transmet des caractères. Donc Mendel, c'est pas forcément... beaucoup intéressé à ce que nous on appelle la biologie de l'évolution rétrospectivement, et peut-être que finalement Darwin n'aurait pas été complètement convaincu par ce que disait Mendel s'il avait une autre théorie sur les petites particules héréditaires qui existaient dans notre corps. Donc peut-être que c'est une énorme occasion ratée, et peut-être que chacun serait resté dans son couloir, c'est compliqué à dire. Mais ouais. Ça va pas de soi que évolution, enfin que darwinisme et génétique aillent ensemble. Donc c'est ça que tu m'avais expliqué. Non, alors je peux l'expliquer. Alors je perds pas l'idée que je dois parler quand même de gènes, d'ADN et d'ARN, et je veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Alors si on oublie des trucs, il faut lever la main. Vous avez oublié. On compte sur vous. Alors, et donc, si je reviens juste à ma chronologie, dans les années 1900, on va forger le terme gène, on va forger le terme génétique, on va forger ces termes-là. Et progressivement, en fait, la première partie du XXe siècle va être celle où on va localiser ce qu'on appelle gène sur une molécule étrange qu'on va de mieux en mieux comprendre et qui, en fait, est l'ADN. Ouais. On appelle ça la nucléine à l'époque, et puis on le comprend de mieux en mieux.
jusque dans les années 50, où on va découvrir sa structure dans un article célèbre. On y reviendra. Alors, dans les années, pour rebondir sur la question sur la conflictualité entre la génétique et la biologie de l'évolution, sans rentrer dans trop de détails, en fait, ce que Mendel et les Mendéliens vont apporter comme idée nouvelle, c'est éventuellement des changements très discontinus. On a un petit pois lisse ou un petit pois ridé. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, cette vision discontinue de l'hérédité semble se heurter pendant plus d'une dizaine d'années à la vision qu'a beaucoup défendue Darwin, qui est gradualiste, une évolution progressive, des caractères qui évoluent tout doucement, qui évoluent petit à petit. Et cette opposition entre la discontinuité et la continuité est quelque chose qui est apparu comme presque une incompatibilité fondamentale. Et c'est seulement dans les années 1910, dans la deuxième décennie du XXe siècle, notamment grâce à Thomas Morgan, que cette contradiction apparente est résolue, où on va comprendre que certains caractères qui sont continus, hein, continus ça veut dire notre taille ou notre poids par exemple, on n'est pas juste d'un poids ou d'un autre poids, on a toute la gamme de poids dans une population possible. On passe pas de S à M. Voilà, exactement. Exactement, on a toute cette continuité. Eh bien ça s'explique par l'effet, ça s'expliquerait par l'effet d'un très grand nombre de gènes qui chacun ont un petit effet plutôt discontinu. Et donc cette apparente contradiction entre discontinuité et continuité a été énorme. Des historiens des sciences ont parlé d'éclipse du darwinisme parce que c'est les Mendéliens qui avaient le dessus. Ils avaient les résultats. Voilà, ils avaient les résultats. Et donc on a pensé à un moment que la vision darwinienne et néo-darwinienne allait être complètement dépassée par la vision mendélienne généticienne, et finalement la contradiction a été résolue. Et c'est une des grosses affaires de ce qu'on appelle la synthèse évolutive moderne mi-temps du XXe siècle que d'entériner cette rencontre, cette convergence en fait. Donc la génétique ne contredit pas l'évolution. Pas du tout. Maintenant, on étudie l'évolution essentiellement, mais la génétique. Pas du tout. Ouais, ça c'est important de le rappeler. Alors du coup, le rapport entre gènes et ADN. C'était oui. Peut-être intéressant de faire ce préambule historique parce que justement, on n'a pas connu la molécule d'ADN dans ses détails avant très tard. Avant 1953, le fameux article de Watson et Crick et Franklin qui n'a pas été crédité du travail. Rosaline, on pense à toi. Rosaline Franklin, et donc le travail de ces biologistes moléculaires qui a consisté à dévoiler la structure de cette double hélice, donc une molécule linéaire. Donc, permettait de comprendre que les gènes s'enchaînaient les uns aux autres, et puis avec des bases, comme un collier de perles, en fait, et qui permettait de comprendre éventuellement qu'en changeant une perle et en la remplaçant par une autre, ce qu'on appelle une mutation, il peut y avoir des différences qui apparaissent. Bon. Donc ils ont matériellement, ils ont trouvé un support matériel à l'hérédité, en tout cas ils l'ont caractérisé. On savait, il y a eu un effet de zoom pendant toute la première partie du XXe siècle. On a d'abord était convaincu que c'était sur les chromosomes que ça se passait, puis à l'intérieur des chromosomes, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait dans les chromosomes. En fait, on a déroulé symboliquement et méthodologiquement la molécule d'ADN jusqu'à la comprendre. Et du coup, on en est arrivé à aujourd'hui. Je fais un saut un peu sauvage, mais ça permet de mesurer le chemin parcouru. On en est arrivé aujourd'hui à une définition moléculaire du gène, qui est très différente de ce que pouvaient dire les premiers généticiens. Les premiers généticiens disaient c'est le déterminant d'un caractère. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas si c'est un bout d'un chromosome ou plusieurs bouts d'un chromosome qui convergent pour déterminer un caractère. Ouais. On ne sait pas, c'est une boîte noire. Donc le gène, c'est une étiquette, ça doit exister. C'est quelque chose de matériel, ouais. Qui est en lien causal avec un caractère. Un caractère, c'est une apparence, notre taille, la couleur de nos yeux, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de gène, tout le monde a dans la tête l'idée que c'est une séquence de chromosomes. Et ça, on y est venu, mais en fait, on en est revenu aussi. Alors, on y est venu parce qu'on a une définition moléculaire du gène qu'on apprend quand on fait de la biologie moléculaire, avec un début, un codon start, un codon stop, des petites séquences en amont, des petites AUG, séquences en aval, choses qui rappellent des bons ou des mauvais souvenirs peut-être à certains d'entre vous. Moi j'aimais bien. Voilà, non, moi aussi en plus, mais ce j'aimais bien il est intéressant parce que ça correspond un peu à ce que vous disiez aussi au début sur la difficulté à s'en défaire. Hein, ouais. On va y revenir. On est revenu à cette définition, on est arrivé à cette définition moléculaire du gène. Et puis effectivement, dans les années 70, on en est revenu aussi un petit peu parce qu'on s'est aperçu que pas dans toutes les espèces, pas dans tous les secteurs du vivant, mais dans un certain nombre de grands groupes du vivant,
les gènes étaient morcelés. Les gènes étaient des bouts de séquences qui étaient séparés par des séquences dont on ne comprenait pas le sens et qui n'étaient pas, qui n'étaient pas actives. C'était le non-codant. Voilà, qui était le fameux non-codant. Ouais. Enfin, en tout cas, fameux, pardon, pour, je veux pas, peut-être que ce n'est pas fameux pour tout le monde, mais pour, ça s'opposait à ce qu'on attendait des gènes et qu'ils codent pour des protéines. Voilà. Avant d'expliquer ça, on peut revenir à ce que, bon, le mot ARN, maintenant, est très connu, ouais, il est pour d'autres raisons que la génétique. Excellente raison. Mais quand on a découvert que ça passait dans le noyau des cellules, dans toutes les cellules sauf certaines, on a des chromosomes, donc on a de l'ADN. Mais l'ADN, donc, il y a une séquence. Mais comment on passe de l'ADN à la cellule fait telle fonction, voilà. L'organisme produit tel organe. Il y a quand même des... Voilà, ça, on peut dire tout de même. Quand on étudie classiquement la... grand principe générique de la génétique, on va apprendre deux choses. On va apprendre l'ADN en tant que tel, comment il se transmet de cellule en cellule, de génération en génération, comment il conserve sa fameuse identité génétique sur laquelle on pourra revenir et éventuellement débattre. Donc ça, c'est sa conservation. Et après, il y a à quoi il sert concrètement dans la cellule, comment il sert à quoi on sert. Alors, pour les parties qui codent pour des protéines, qui sont finalement une toute petite partie C'est quel pourcentage qui est codé? Alors, ça varie selon les espèces, ouais. Ça varie selon les groupes, mais l'ADN, qui code pour des protéines, c'est 2%, 3% de l'ensemble du génome. Du coup, le reste, on l'a appelé ADN poubelle. Alors, on l'a appelé l'ADN poubelle pendant des années. Alors, l'auteur de ce nom l'avait dit de manière un petit peu ironique. On n'a pas forcément saisi l'ironie. Beaucoup de nos professeurs ont enseigné ça comme si c'était sérieux, quoi. Mmh. Et alors, on a été d'ailleurs échafaudé toute une série de théories pour expliquer pourquoi il y avait autant d'ADN qui servait à rien entre les séquences qui servaient à quelque chose. On disait, comme c'est des îles dans un océan, ça permet que quand il y a un problème, ça tombe plutôt dans l'océan que sur une île et que ça dilue les gènes. Donc voilà, ça permet que s'il y a une mutation, ça moins dangereux. Il y avait des explications comme ça un peu opportunistes. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Ça peut être une partie de l'explication. Mais après, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de zones qui n'étaient pas codantes pour des protéines, qui étaient actives. Et elles étaient actives en quel sens? Au sens où elles produisaient ce fameux intermédiaire qu'on appelle l'ARN, voilà. Qu'on a tous appris à découvrir. Acide. Ribonucléique. Pardon. Ah, il ne fallait pas le balancer comme ça. Attends. Bon, prochaine fois, c'est vous qui répondrez. Voilà, l'acide ribonucléique, qui est un cousin de l'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, et qui est, quand on l'enseigne comme ça pour expliquer les grandes lignes de la manière dont ça fonctionne, on dit l'ADN fabrique grâce à l'ADN, il y a une molécule qu'on appelle une enzyme va fabriquer une molécule d'ARN correspondante qui lui ressemble presque. Et cet ARN, il est petit, donc il va se balader, il va pouvoir sortir du noyau de la cellule et là être mouliné pour être traduit, c'est le terme qu'on utilise avec un lexique qui renvoie au langage, traduit en protéine. Voilà. Et donc il y a un chemin. ADN, ARN, protéines, qui n'est pas ça, un chemin. Et ça ressemble à une chaîne d'usine, quoi. À une chaîne de montage. Et d'ailleurs, c'est ça précisément qui a été appelé le dogme central de la biologie moléculaire, avec cette idée que l'information ne circulait que dans un seul sens, oui. De l'ADN aux protéines, voulant dire que c'est pas parce qu'on allait manger des protéines que ça allait pouvoir. Ces protéines allaient pouvoir faire le chemin retour d'une certaine manière et se transformer. Si on vous injecte de l'ARN, voilà. Ça ne doit pas rentrer dans le génome. Et du coup, suite, si on mange de la carotte, on ne va pas devenir, on va pas intégrer. Ceci dit, il y a de l'ARN de ce qu'on mange qui circule. Alors, il y a de l'ARN de ce qu'on mange qui circule. Ça a été une des grandes découvertes des années 2000, des fragments d'ARN de riz qui se retrouvent dans l'estomac et dans des cellules de souris, par exemple, et même des bouts d'ARN fonctionnels. Donc, voilà, ça, c'est la biologie, c'est la surprise. Nos cellules utilisent de l'ARN de ce qu'on mange. Peuvent l'utiliser, ouais, peuvent bon. Peut-être en faire quelque chose. Là, on déborde, parce que, mais voilà. J'ai pas révisé ça, donc je vais pas vous dire. Ouais. Mais, alors, on revient, parce que là, on fait un peu un historique, mais c'est ma faute, non, je pose des questions à côté. Au départ, la génétique, ça servait à quoi? Donc, Mendel, c'était sur les plantes. Ouais. Darwin s'est intéressé à pas mal de choses. Ouais. Et à un moment donné, donc, il y avait un débouché pour ça. Oui, alors...
Donc, bon, Mendel publie ses travaux, reste très confidentiel, quasiment inconnu. En 1900, c'est une date qui est facile à retenir, trois chercheurs indépendants, tous trois travaillant sur des plantes, mais des plantes différentes, publient ou communiquent dans des congrès trois articles similaires qui redécouvrent ce qu'on appelle les lois de Mendel. Et l'un d'entre eux crédite Mendel de la paternité de ça. Donc il y a une sorte de belle histoire qui se met en place avec reconnaissance de la paternité antérieure de 35 ans quand même, qui était notable. Et là, c'est une véritable explosion, c'est-à-dire que les biologistes, et très vite, donc, se forment une sous-catégorie de généticiens qui sautent sur cette occasion, s'aperçoivent que c'est très important pour comprendre les mécanismes de la transmission des caractères. Et puis, ça va intéresser aussi les sélectionneurs, par exemple, les sélectionneurs de semences, les sélectionneurs d'animaux. Bon. Mmh. Et il y a une histoire un peu, voilà, qui existe, par exemple, en France, où on était très réticents par rapport au darwinisme. Oui. L'université était très anti-darwinienne, lamarckienne, même si l'université n'a pas que des qualités. Voilà. Et il y a quelques îlots, par exemple dans l'école dans laquelle j'enseigne, qui s'appelle AgroParisTech, qui s'appelait l'Institut National Agronomique à l'époque, qui enseignait une biologie quand même un peu plus terre-à-terre, en lien avec des problématiques de sélection variétale, qui va donner les premiers cours de génétique dès 1907, alors qu'il faudra attendre quasiment 30 ans plus tard pour voir des cours de génétique à l'université. Et donc, on a les années 50, on a la molécule, on identifie ce que c'est, voilà. Et d'ailleurs, il y a le code. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la molécule, il faut qu'on comprenne. On savait que ça devrait être une molécule de forme un petit peu cristalline, mais non cyclique. Ouais, c'est mes vieux restes. Hein. Ouais. Mais pour autant, on ne savait pas comment ça marchait. Parce que s'il y a une séquence, encore faut-il qu'on comprenne ce que c'est comme séquence. Alors, on a déjà commencé à esquisser. Hein. Ça marche en étant transcrit en ARN et traduit en ADN. Bon, mais il y a une manière. La question qui se pose, c'est selon quelle régularité, selon quelle modalité. Et pour ça, il y a eu dans les années 60 un deuxième moment très important cardinal qui est la découverte du code génétique, qui est un terme avec lequel je n'ai pas forcément énormément de problèmes si on le prend avec nuance. On va il dire. Est moins gênant que programme. Il est moins gênant en parler. Que programme, on va en parler, j'en doute pas. L'idée, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une correspondance entre certaines petites séquences d'ADN et les unités élémentaires des protéines. Et que cette correspondance, elle est universelle. C'est comme une pierre de Rosette, en fait. On s'aperçoit, alors elle c'est quasi universelle, les spécialistes savent que c'est certaines bactéries ou archées échappent à certaines... Les mitochondries, c'est pas tout totalement pareil. Si le code est à peu près similaire, quand même. Il y a pas un truc qui change sont les... Peut-être sur un codon. Je crois qu'il y a un truc qui change dans un bouquin que j'ai lu. C'est possible. Non, mais c'est possible. En tout cas, c'est quasiment universel. Oui. Cette quasi-universalité signe probablement une origine unique de tout ça. Et ça, c'est très, très darwinien. C'est important, c'est très darwinien. Et donc se met en place, donc ça c'est Corana qui va, avec ses collaborateurs, qui va faire ça de 60 à 61, 65, grosso modo. Et donc on a les piliers de la biologie moléculaire qui vont donner naissance au concept de programme dont on va parler, qui se mettent en place. Une molécule universelle qui est l'ADN, qu'on trouve dans tous les vivants et qui semble avoir une architecture qui explique bien à la fois qu'elle soit un support de l'hérédité et puis qu'elle soit la matrice à partir de laquelle on peut produire de la matière vivante et de la dynamique du vivant. Un code qui est universel et ce dogme central de la biologie moléculaire qui dit l'information ne va dans un seul sens et ne part pas dans l'autre. Et là, tout se met en place pour avoir, à une époque très particulière, fin des années 50, début des années 60, l'explosion d'un concept qui est celui de... Parce que là, vu 2020, la plupart des gens, on est quand même assez jeunes ici, moi je suis peut-être un peu plus vieux que vous d'ailleurs, on a toujours connu ça. La génétique, c'est vieux maintenant. Alors qu'en fait, c'est assez récent et ça, il y a eu un boom, ça a accéléré d'un seul coup. Et donc, on a eu l'arrivée de ce dogme central. Est arrivée très vite la question de puisqu'on a une séquence, il faut qu'on la connaisse, donc il faut qu'on séquence tout ça. Et le séquençage, moi, j'étais étudiant-chercheur quand on a enfin eu les premiers séquençages au début des années 2000. Donc, il s'est passé 40 ans entre les deux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans ? Alors, pendant 40 ans, on a fait quand même plein de choses. On a découvert le code génétique, on a découvert les techniques de séquençage, on a mis au point des techniques de séquençage, notamment Fred Sanger, qui est un biologiste que peut-être
les gens qui connaissent cette méthode de séquençage la connaissent. Moi, j'ai appris ça à la fac et j'ai tout oublié. Alors, Fred Sanger, c'est pas n'importe qui. J'ai pas un très bon souvenir, ça m'avait agacé à apprendre ça. Fred Sanger, il a eu 2 prix Nobel quand même. Ah, quand même. On l'oublie un petit peu. C'est pas le biologiste le plus connu qui est resté dans le plus de mémoire, mais pourtant, il a eu une contribution de titan à parce que 2, c'est beaucoup quand même. 2, ça commence à faire pas mal. C'est plus un malentendu, on va dire. Oui, c'est vrai. Alors, oui, du coup, ça, on n'a pas le temps. On peut en parler aussi des prix Nobel français. Bon. Et donc on va apprendre à séquencer avec des techniques qui vont se développer. On va découvrir aussi dans certains micro-organismes des petites enzymes, donc des petites protéines qui agissent comme des couteaux moléculaires et comme des petits bouts de scotch moléculaires. Et du coup, on va se mettre non plus seulement à décrire l'ADN, mais à commencer à faire joujou avec, à couper, coller. Prendre des morceaux. On fait des OGM, quoi. On commence à modifier des génomes et on a, dès les années 60, d'ailleurs, toute une série de débats qui préfigurent ceux d'aujourd'hui sur le droit à modifier le vivant, sur les conséquences que ça pourrait avoir qui apparaissent. Les années 80, c'est les années de montée en puissance du séquençage, d'abord des gènes, puis de génomes viraux, et à la fin des années, et au début des années 90, des premiers génomes bactériens, 95. Et après, il y a la grande vogue. Ça donne naissance à ce qu'on appelle la génomique. Hein, on se met à connaître les génomes, c'est-à-dire l'ensemble des gènes d'un individu ou d'une espèce. Ça, c'est l'autre mot clé, génome. Génome, oui, alors c'est un terme, on se dit, quand on connaît les gènes, est-ce qu'on a besoin d'un autre terme? Génome, c'est l'ensemble des gènes qu'il y a dans une cellule, par exemple. Donc c'est tout l'ensemble de nos chromosomes. Et ça peut être aussi l'ensemble des gènes d'une même espèce. Voilà, est-ce que c'est uniquement l'ensemble des gènes de l'individu ou l'ensemble des gènes dans la population? Ça dépend du contexte dans lequel on parle, mais grosso modo, on va parler de mon génome nucléaire, c'est celui qui est dans le noyau de mes cellules. Le génome mitochondrial, c'est celui qui est dans les petites entités qui sont à la périphérie. Ah oui, du coup, ceux qui n'ont pas révisé leurs organites à la mitochondrie, il y a de l'ADN dedans. Voilà. Il y a le noyau et puis il y a un peu d'ADN dans les mitochondries. Vous retenez que ça, c'est genre. Et c'est que maman qui transmet. Donc les femmes transmettent plus d'ADN. Mais comme il y a des fois des centaines de mitochondries dans une cellule, il y a des gènes qui sont présents, un plus grand nombre de gènes mitochondriaux qui sont présents un plus grand nombre de copies, et certains gènes qui sont présents qu'en 2 copies dans un génome. C'est intéressant. Donc c'est très compliqué. Il faut être généticien pour apprécier. Moi, c'est essentiellement agaçant de mon point de vue. Donc sur l'ADN poubelle, on a quand même parlé. Donc aussi la découverte, c'est que cet ADN poubelle, parce que là le temps avance, il faut qu'on termine ce passage, ce panorama. L'ADN poubelle, il n'est pas poubelle en fait. On lui a trouvé des fonctions, une forme d'anatomie, de topologie de l'ADN, c'est pas des séquences qui sont là par hasard. Non. Alors il peut y avoir des séquences qui évoluent de manière plus ou moins aléatoire sur les génomes, qui sont sur un chromosome, qui sont plus ou moins importantes quand même. Mais c'est vrai que dans ces soi-disant 95% d'ADN non codant, 98, enfin ça dépend des ouvrages et des références. De toute façon, comme ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, il peut varier. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de séquences d'ADN qui n'étaient pas transformées en protéines, mais qui étaient quand même transcrite en ARN, en cet intermédiaire. Et que cet ARN, en fait, qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme rôle? De réguler d'autres gènes. Donc, il pouvait aller se coller sur d'autres gènes ou à proximité. Donc, au lieu d'avoir ADN, ARN, protéine, on a ADN, ARN qui revient sur de l'ADN. L'ARN a une fonction en elle-même. Il peut avoir plein de fonctions différentes, qu'on ne connaît pas toutes, mais ce besoin de fonctionnaliser l'ARN traduit aussi une volonté, qui est peut-être le point sur lequel on va aborder, de tout voir sous l'angle d'un programme qui fonctionne de manière très complexe mais très régulée. Et ça, c'est un point sur lequel il y a beaucoup de débats actuellement. En tout cas, avant de remettre en question le programme, il y a ce passage où finalement cet ADN, il n'est pas poubelle, il n'est pas par hasard. Il y a des séquences répétées qui servent à aider le chromosome à se replier. Mm-hmm. Il y a des séquences qui servent à recruter des molécules qui vont réguler les choses. Voilà. Et puis, il y a la structure intron-exon. Alors là, on rentre dans un peu compliqué. Donc on ne va pas s'étendre beaucoup, mais vous avez évoqué, un gène, ce n'est pas uniquement une séquence, parfois elle est morcelée. Et donc ça, on a découvert qu'il y avait un épissage alternatif. Mmh. Et en deux mots, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre pourquoi c'est intéressant? Quand vous avez un gène qui est morcelé, c'est-à-dire qu'il y a des petites séquences qui sont interrompues par des séquences qui, entre guillemets, ne font pas partie du gène, ça crée la possibilité d'en enlever, de jouer un peu avec une combinatoire, d'en enlever certaines,
quand on va traduire tout ça en ARN et en protéines. Et donc, à partir d'une seule séquence, d'en avoir plusieurs à la fin. Donc j'ai les fragments ABCE, voilà, ABCDEF, je retire le B. Je peux faire ACDEF, je peux faire AF. Et la fonction va changer. Donc ça complexifie vachement la régulation, ça. Ça complexifie vachement la régulation, avec toujours cet angle mort qui est de dire comment tout ça peut être expliqué. Et la réponse qu'on fournit généralement, c'est il y a des gènes qui eux-mêmes s'en chargent. Et donc on est sur une sorte de réduction à l'infini, oui, qui est problématique. La régression, d'où ça vient. Après, c'est Dieu qui l'a fait, etc. Achetez mon livre. Et on essaie d'éviter ça. Un dernier mot sur l'épigénétique. Alors ça mériterait une émission à part entière, parce qu'on ne l'a jamais fait, mais un jour on le fera, je pense. Parce qu'il y a la séquence elle-même qui agit. La séquence peut évoluer au cours du temps, sur le temps long, avec des mutations, avec des brassages. Et puis, il y a tout ce qui va changer sans que la séquence change. Ouais. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais... Alors, je vais en dire deux mots. Ça nécessite 2-3 minutes, mais... Allons-y, on va les prendre. C'est important. Alors d'abord... Vous avez le temps ? L'épigénétique, c'est un terme qui est très à la mode, et pour des bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en épigénétique, mais on a une lecture très moléculaire de l'épigénétique qui n'était pas forcément celle qui avait été fondée par Conrad Waddington quand il a parlé d'épigénétique pour la première fois dans les années 50. L'épigénétique, elle s'inscrit dans un air du temps qu'on comprend bien, qui est de s'apercevoir qu'avec les gènes stricto sensu, on a du mal à tout expliquer. En tout cas, il y a des pans d'explication biologique qui nous échappent. Et on s'est aperçu que certaines séquences pouvaient ne pas varier dans leur lettrage avec les quatre lettres de l'ADN ATCG, mais pouvaient avoir, au niveau d'une de ces bases, la cytosine, pouvaient avoir une petite modification chimique qu'on appelle la méthylation, et qu'elle, si elle existait ou si elle n'existait pas, pouvait avoir un rôle sur ce gène-là, sur l'effet de ce gène-là. Et donc c'est une sorte de couche supplémentaire qui ne se voit pas dans la séquence du gène, qui est quand même une petite modification chimique de l'ADN, et qui peut avoir un effet fonctionnel. Alors ça, c'est la définition que souvent on prend de l'épigénétique sur le plan contemporain, même si, en fait, dans l'épigénétique, dans la manière dont Waddington en parlait quand il a évoqué ça dans les années 50, il ne connaissait absolument pas la méthylation des gènes. C'est seulement en 75 qu'il y a une convergence entre le concept d'épigénétique et l'observation de la méthylation des gènes. Et il y a plein de manières pour l'ADN de changer sans que sa séquence change, et pourtant... avec le fait que ce changement a un rôle fonctionnel. Par exemple, je vais aller très vite, mais on a observé que dans une cellule, par exemple une cellule d'animal, une cellule de foie, de caryote, de foie par exemple, ouais, on prend. Et ben, les chromosomes, quand ils sont utilisés par la cellule, ils occupent tout l'espace du noyau, mais ils occupent des territoires chromosomiques bien particuliers, des espaces tridimensionnels à l'intérieur du noyau. Et on s'est aperçu que le fait, par exemple, qu'un chromosome soit plutôt au centre du noyau ou plutôt à la périphérie du noyau va avoir un effet sur le niveau d'expression de ces gènes. Et ça, c'est pas marqué sur la séquence. Si vous regardez que la séquence, que vous savez pas topologiquement où est votre chromosome, il vous manque une partie de l'information. Et c'est ça un peu l'idée derrière l'épigénétique, c'est que il y a quelque chose, on va dire, qui est un peu intermédiaire entre la génétique et l'environnement, qui est un peu à l'interface entre les deux. C'est le contexte finalement. Oui, voilà, qui est un niveau d'explication nécessaire pour bien comprendre les processus vivants. Alors, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si l'épigénétique allait pas finalement remettre en cause toute l'importance de la génétique. Le point d'équilibre auquel on est, mais qui peut toujours évoluer, c'est que l'épigénétique module plutôt les effets de la génétique, plutôt qu'elle ne remet complètement en cause les effets de la génétique. Et c'est important parce que certaines modifications épigénétiques peuvent se transmettre intergénérationnellement alors qu'ils sont modifiés au cours de la vie d'un individu. Si c'est héritable. C'est ce qu'on appelle de l'hérédité des caractères acquis. Voilà. Donc c'est inflammable dans le débat. Ça met en question un petit peu tout ce qu'on pourrait savoir. Mais le point auquel on est arrivé actuellement, c'est de ne pas la nier. Cette épigénétique, elle existe. Elle complexifie la donne, elle change un peu la donne, mais elle semble plutôt moduler les effets de la génétique que l'inverse. Alors, il y a des gens qui demandent comment ça marche. Alors, est-ce qu'on peut leur conseiller un bon cours d'université en génétique sur Internet ? Est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Oui, il y en a. Je pourrais vous en donner. J'ai pas d'URL à vous donner comme ça d'un seul coup. Ils peuvent chercher le nom du prof.
Bah, Le Cointre, il est généticien, donc il fait des trucs très bien. Mais... Le Cointre, il est phylogénéticien, donc il a produit beaucoup de choses, effectivement, sur, notamment sur l'évolution et sur voilà. les arbres évolutifs. Mais sur le fonctionnement de l'ADN, de l'ARN Oui, alors il y a des sites de base, il y a le réseau Genet, par exemple, sur lesquels on peut trouver des grands rappels comme ça, qui sont notamment utilisés dans le monde francophone, et que AgroParité, qui est mon institution, nourrit et met à jour. Voilà. Je faisais référence à Guillaume Lecointre parce que je sais qu'il y a certains de ses cours qui sont disponibles en intégralité sur Internet. Oui, et Guillaume Lecointre, quand j'ai demandé, tu pourrais me conseiller quelqu'un pour parler de problèmes génétiques ? Thomas Hughes. C'est pour merci ça que. Ah, mais on a toujours raison de parler de Guillaume Lecointre. Ok ? Il y a une question sur. Je reviens un dernier mot. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ADN inutile ? Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on est encore entre les deux ? Alors, inutile pour la cellule, j'irai pas jusqu'à là parce qu'il y a des zones qui semblent pas servir à grand chose. Ouais. Il se trouve que par contre, nous les humains, on s'en sert pour repérer, par exemple, comme il y a des petites variations qui sont dans des zones vraiment non codantes, où les enzymes qui dupliquent l'ADN pédalent un peu dans la semoule et donc se trompent un peu dans le nombre de répétitions. On peut faire des lignages plus facilement. Voilà. Et ça permet de différencier les individus, ça permet de faire des cartes génétiques. Alors, du coup, je fais une petite pause avant qu'on passe à la partie 2 sur la fin du programme pour vous dire que l'émission de ce soir est réalisée par Corentin. Donc, on peut applaudir Corentin. Mais également, les opérateurs derrière les caméras qui sont ici, on donne des pseudos. Moi, je vais encore me planter parce que je donne les vrais noms. Je suis trop nul. Qui c'est qui filme ? Alexandre, je crois que ça ne te dérange pas qu'on dise ton vrai nom. Enachi. Voilà. On peut les applaudir aussi. On a des gens à la modération. On a Francine, on a Damien, on a la reine Elodie et quelques autres, Lucas, je pense, etc. Il manque des gens, enfin, ils seront en générique. Sans eux, le chat serait plus dur à vivre, on les remercie beaucoup. Yaval, merci Yaval. On est ce soir à l'université de Lorraine, on est très content d'être là. Donc il y a des régisseurs, donc Thomas et François, qui étaient là plus tôt dans la journée, qui sont toujours en régie pour s'assurer que la salle est bien sonorisée, on les remercie également. Un petit mot pour vous dire que depuis des années, on fait des collaborations avec l'université. Alors là, on était parti pendant 2 ans à cause du Covid. On est revenu. Et donc, on a Julie Adam qui est là et qui, depuis des années, nous aide à trouver comment organiser le voyage de l'invité, comment on le loge, comment on se nourrit. Voilà, donc elle nous suit depuis longtemps. Elle est parfaite. Et donc, on remercie Julie Adam, s'il vous plaît. Oui, pour son travail remarquable. Et on remercie l'université qui soutient la STEC, enfin, qui est partenaire de la STEC depuis ses débuts, hein, depuis 5 ou 6 ans, et qui nous permet de faire 4-5 dates sur le campus ou ailleurs tous les ans avant le Covid. Et maintenant, je vais vous dire un petit mot, parce qu'il y a un petit problème. Game on. Il y a un petit problème, parce que alors, je me suis permis en novembre de faire une vidéo qui critique un cours d'homéopathie à l'université. Allez voir la vidéo. Alors peut-être ça ne se fait pas comme ça, peut-être que je n'ai pas respecté les règles de la critique, mais la critique était, je crois, scientifiquement fondée. Le cours continue, cette année à la rentrée, c'était en novembre, ça continue. Je pense qu'il ne faudrait pas. Comme je dis que je pense qu'il ne faudrait pas, du coup l'université ne nous accueillera plus ici. On a reçu l'interdiction de communiquer sur l'événement en interne et le module esprit critique qui est donné à l'école doctorale a sauté. C'était prévu qu'il soit en novembre, donc doctorant, vous n'aurez plus de module esprit critique. Alors je pense que c'est un malentendu. Je pense que c'est une décision qui a été prise parce que des gens ont été pris en porte-à-faux par ma critique qui l'ont mal pris. C'est très humain, je peux comprendre. Maintenant, j'aimerais que la décision qui prenne un peu de recul par rapport à ça, qui ne prenne pas une décision qui fait disparaître un module d'esprit critique de l'école doctorale parce que c'était le seul qui existait, il était bien noté, et qui n'empêche pas une association de collaborer dans de très bonnes conditions avec des gens super. Voilà. Donc je vous dis, Madame la Présidente, on s'appelle, on en parle, on n'est pas là pour être vos amis. Je pense que ce cours, il est nul, mais le reste est très très bien dans votre université. Il n'y a pas de raison. Et donc, je vous dirai au courant, mais vraiment, si vous êtes enseignant dans cette université, que vous pensez que ce n'est pas des manières, merci de me contacter. On ne sait pas trop quoi faire. Pour l'instant, on est dans le doute. Donc, on va profiter de ce soir,
On est très content d'être là et on est très reconnaissant à la fac malgré tout. Mais pour l'avenir, il faut qu'on tire ça au clair, qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on aide les dirigeants à diriger avec des bonnes décisions. Je pense que là, ce n'était pas une. Voilà, c'était la parenthèse un petit peu moins rigolote de ce soir. Un petit mot de votre livre. Alors, je ne l'ai que parcouru, je n'ai pas pris le temps de livre, mais c'est intéressant par rapport à la définition de ce que c'est que le vivant. Parce que vous avez dit, le vivant, c'est ce qu'a de l'ADN. Alors, oui, mais les virus, ils ne sont pas tous de l'ADN. Est-ce que c'est de l'infravivant ? Alors oui, donc dans ce livre, j'ai commis il y a 3 ans maintenant, j'essaye de travailler une question qui est la question que tous les biologistes se posent à un moment ou à un autre, qui est la question de la définition du vivant, et à laquelle on se heurte tous, parce que on n'arrive pas à trouver le bon périmètre qui met dans un sac les vivants et à l'extérieur du sac tout ce qui n'est pas vivant. Comment on définit pour de vrai, ouais. Et en rapport à ce qu'on se dit ce soir, c'est vrai que la prise de conscience de l'universalité de la molécule d'ADN a été quelque chose qui a permis de nourrir l'espoir que peut-être on pourrait avoir cette définition moléculaire du vivant et vivant tout ce qui possède de l'ADN. Alors ça paraîtra peut-être un peu anecdotique à certains, mais il est sûr que si la plupart dans la plupart des cas c'est le cas, il y a un cas de structure dont on a appris à connaître depuis 2 ans que sont les virus. Alors certains peuvent avoir de l'ADN, mais certains peuvent ne pas en avoir, être des purs virus à ARN. Alors on s'en sort généralement en considérant que les virus ne sont pas vivants parce qu'ils ne respirent pas, parce qu'ils ne métabolisent pas. Pourtant, ils sont eux-mêmes des produits du vivant. Et ils sont apparentés à l'arbre. Ils sont évidemment dans l'arbre du vivant. Et puis même, on peut dire que ce qui ne respire pas dans un virus, c'est cette petite particule virale qui est émise d'une cellule à une autre, qui va infecter la cellule suivante. Mais que quand les virus prennent en otage la machinerie cellulaire, la cellule se transforme en espèce de gros virus vivant, respirant. Quand on chope un virus, on est nous-mêmes plus le virus. Voilà, exactement. On est déjà une somme d'entités très nombreuses avec toutes les bactéries qui vivent en nous. Mais en plus, oui, quand les virus sont là, enfin, il y a un grand spécialiste de ces questions qui s'appelle Patrick Forter, qui a forgé le concept de virocellule pour parler de ce moment intermédiaire où finalement les virus pouvaient devenir vivants pour cesser de l'être, pour redevenir vivants sans mourir entre-temps. Donc en fait, il y a toute une série comme ça d'exemples dans le monde vivant. Alors ça peut être des exemples théoriques ou spéculatifs, mais d'autres qui sont documentés par des observations naturalistes, où des entités sont de manière non triviale quelque part entre le vivant et le non-vivant. Et il y a même d'ailleurs dans notre corps, on a parlé de mitochondries tout à l'heure, donc des petites structures qui sont des anciennes bactéries qui n'ont presque plus d'ADN. Et puis ces structures-là, elles peuvent donner d'autres structures qui sont évolutives mais qui n'ont plus du tout d'ADN. Et certains hydrogénosomes, par exemple, pardon pour le terme technique, mais ça permettra de frimer au repas du dimanche. Hydrogénosomes toi-même. Et les hydrogénosomes, certains d'entre eux, ont 0 gène. Donc on a comme ça un continuum d'entités qui peuvent avoir 0 gène, très peu de gènes ou énormément de gènes. Il y a des virus qui ont beaucoup plus de gènes que certaines bactéries. Et donc l'axe de la quantité de gènes n'est pas le bon axe pour mesurer, pour positionner quelque part une frontière en gros, entre c'est vivant flou. Et non vivant. C'est flou. C'est flou. C'est dynamique. C'est pas. Toute distinction est arbitraire. On sent, voilà. Mais ça va mieux en le disant. Et le concept du vivant, donc, parce que il y a évidemment. On va en parler dans le langage, plein de choses qui arrivent derrière, et on a tous tendance à avoir des petites intuitions comme ça, un peu créationnistes. Oui, oui, mais et ça arrive à tout le monde. Oui, je ne dis pas ça pour moi, je me soigne, hein, je fais des efforts. Mais alors on a plein d'intuitions, et donc cette incapacité à définir le vivant, c'est tellement vertigineux que ça énerve beaucoup de gens. En fait, ce que vous dites, là, c'est les gens veulent dire, mais quand même, le vivant, on sait ce que c'est quand même. Oui, on est quand même en 2022, ce serait quand même temps qu'on sache ce que c'est que le vivant. Et c'est. Oui, et puis c'est censé être le point de départ de tous les biologistes. Ah oui, quand même, vous êtes biologiste, je crois. Voilà, exactement. Donc on peut s'imaginer que tous les biologistes sont d'accord sur ce qu'est la vie. En tout cas, la vie biologique, pas la vie intérieure, pas la vie spirituelle, pas la vie comme phénomène existentiel, on va dire. Mais en tout cas, que la vie biologique est quelque chose de simple à définir. Alors, ça ne l'est pas si on raisonne en termes de frontières, je pense. Et dans ce livre, j'essaie de proposer une autre manière de concevoir le vivant,
plutôt comme une mise en mouvement adaptative de la matière, qui accueille complètement cette notion continue, de dynamique continue, et qui accepte de faire le deuil de cette frontière, et qui accepte de dire il y a des entités qui sont plus ou moins vivantes que d'autres, sans que ce soit un problème. Alors ça heurte toutes nos habitudes, parce oui. qu'on a l'habitude d'être séparés des autres vivants, l'ensemble des vivants, on a l'habitude d'être bien séparés des cailloux, et puis en fait, bah, finalement, c'est pas si simple. On a dans le cerveau des modules, on ne traite pas de la même manière ce qui est inerte et ce qui est vivant. Et comme nous, c'est séparé dans le cerveau, on voudrait que ce soit la même chose dans la réalité. Et en fait, c'est pas on l'a dans notre cerveau, mais on l'a aussi dans notre vie quotidienne. On l'a dans nos lois, on protège la biodiversité, on ne protège pas la minéralodiversité. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait des lois de bioéthique. Enfin, à tous les niveaux, dans tous les halos qui nous entourent de vie plus ou moins intense, on fait des lois spécifiques. Il y a un exemple célèbre d'un fleuve en Nouvelle-Zélande à qui on a donné le qualificatif d'entité vivante pour pouvoir le protéger, pour qu'il soit représenté en justice. Ah oui. Living entity, c'est le terme dans la loi néo-zélandaise. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est peut-être une erreur de traduction, mais c'est vraiment le terme qui a été utilisé. D'accord. Et ça lui a permis, mécaniquement, d'être grosso modo représenté par des avocats pour éviter qu'on sabote l'environnement autour. Après, c'est du juridique. Moi, je et donc, par exemple, le fait qu'on ait un droit tranchant, qui ne décide pas d'intermédiaire entre les catégories, va de pair avec notre capacité à faire des catégories et à avoir du mal à naviguer entre les catégories. Voilà. C'est le problème du nominalisme, c'est très vieux. Darwin très était vieux. Déjà parfaitement conscient. Donc, on passe à la partie 2 quand même, parce qu'il faut qu'on avance. La fin du programme. Parce qu'on n'a pas évoqué le mot programme. Et quand on a préparé l'émission, l'étymologie, vous l'avez évoqué, oui, en effet, ça veut dire écrit à l'avance. Et ça pose un problème quand même. Alors, ça pose un problème. Et on est en 2022. C'est vrai. Et donc, la génétique, on l'a dit tout à l'heure, elle est réapparue de manière fonctionnelle, efficace en 1900. Donc ça fait 122 ans que la génétique existe. Et si on fait la moitié de 122, c'est 61. On est là. C'est intéressant parce que c'est seulement à partir de 1961 qu'on se met à entendre parler de programme génétique. C'est-à-dire que la première moitié de la vie de la génétique comme discipline scientifique, c'est passé de la notion de programme. On faisait 100, donc c'est la génétique des populations a été fondée, la génétique quantitative, la génétique formelle, la génétique statistique, tout ça a été formé pendant des décennies sans qu'on ait besoin de faire appel à la notion de programme génétique. Par qui a mis cette idée alors ? C'était un peu sous-jacent quand même, je le dis pour être honnête, quand on parle de déterminisme génétique, il y a un peu quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dirige, qui mécaniquement va produire des effets, mais cette notion n'apparaît qu'en 1961, dans deux articles qui sont publiés la même année, l'un qui est publié par François Jacob et Jacques Monod, qui va notamment être un de ces fameux articles qui va parler de la régulation génétique. Il est envoyé le 28 décembre 1960 à la revue, il est publié quelques semaines plus tard. Donc un article de biologie moléculaire, qui va fonder beaucoup de choses en biologie moléculaire, et un article d'Ernst Mayr, qui est un très grand évolutionniste, qui va lui parler de programme génétique dans un article sur l'évolution. Et ça, alors pourquoi 1961, pourquoi cette notion de programme arrive ? Ben, on peut dire qu'elle était dans l'air du temps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'informatique était arrivée. Voilà, l'informatique était une discipline naissante, explosée et en explosion. J'ai beaucoup parlé d'explosion depuis tout à l'heure. En croissance très importante depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avait marqué les esprits par les premières capacités de calcul informatique pour sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec la machine de Turing. Enfin, voilà, des choses qui ont été bien documentées. Et il se trouve que paraît à cette époque-là un livre important qui s'appelle La cybernétique. Et ce livre va beaucoup influencer les biologistes que sont James Watson et Francis Crick, François Jacob et Jacques Monod en France. Et ce livre sur la cybernétique est un livre qui va expliquer que dans le vivant, tout fonctionne comme... Enfin, je simplifie évidemment, mais les choses fonctionnent largement selon le principe de boucle de rétroaction, comme dans des ordinateurs. Des régulations qui sont très fines. Et cet exemple-là montre que le lexique de l'ordinateur, du programme génétique, du code génétique, enfin du programme informatique, du code informatique, va séduire les biologistes et qui vont y retrouver une opportunité de parler d'ordre à l'intérieur des cellules. On a la même chose pour le cerveau. Le cerveau comparé à l'ordinateur,
Maintenant, les neurologues n'arrêtent pas de dire, il faut arrêter de comparer. Ils le disent, enfin, pendant 20 ans, c'était ça. Alors, c'est très intéressant parce que justement, moi, je m'arrêtais souvent quand je racontais cette histoire-là à la naissance de l'informatique. Mais en fait, les premiers travaux sur les réseaux de neurones, par exemple, ils datent des années 40. Et il repose sur une vision présupposée qu'on avait de la manière dont les cerveaux fonctionnaient, avec ce qui va préfigurer des circuits électriques, en fait. Oui. Et ça, donc il y a une longue histoire, il y a une histoire longue, comme une sorte de volonté de faire rentrer le vivant, enfin d'engager un compagnonnage entre les sciences du vivant et les sciences de l'informatique. Parce que c'était les mêmes personnes qui s'intéressaient aux deux. Alors, c'était les mêmes personnes qui s'intéressaient. En tout cas, les biologistes étaient très intéressés par ce que faisaient les premiers informaticiens. C'est le département à l'énergie américain qui a financé les premiers travaux de biologie moléculaire, là où ce qui préfigurait le NIH ne finançait pas. Hein, ça a été décrit dans un livre de Lily Kay, une historienne qui s'appelle Who Wrote the Book of Life, qui a écrit le livre de la vie, et qui raconte ça très bien, les prémices de la naissance de la biologie moléculaire, et qui montre ce long compagnonnage, et qui va trouver une sorte de... Jacob le dira d'ailleurs lui-même, il va être très populaire tout de suite, et ça va avoir une fonction rassurante pour l'ensemble des biologistes, des biologistes moléculaires et même du grand public, parce qu'on va expliquer la manière dont les cellules fonctionnent par des petites régulations très précises. Oui. Et même sur le plan évolutif, on va se mettre à penser que l'évolution va être ce mécanisme général qui permet, pas d'aller vers de la perfection, parce que ce n'est pas ce que disent les évolutionnistes, mais de proposer des réactions, des régulations de plus en plus précises face à des phénomènes. Mmh. Et comme si nos cellules, individuellement, étaient des petits ordinateurs. Et ça amène ça au concept d'information. On va dire, parce que du coup, en informatique, le programme, il gère de l'information. On a cette idée que l'ADN, là-dessus, puisqu'on peut faire une séquence, on récupère de l'information, puisqu'on a la séquence et qu'à la fin on a un organisme complet, c'est bien qu'il y ait un truc qui s'est transmis. Et moi, j'ai pas d'autre mot que l'information. Ouais, et du coup, programme, information, tout est cohérent. Oui, c'est très compliqué d'en sortir. J'ai d'ailleurs un des professeurs de génétique et de biologie évolutive et qui est devenu un ami, Pierre Aigouillon, qui va beaucoup mettre en avant cette notion d'information, qui dit qu'elle est le principe fondamental du vivant. Et pourtant, moi je pense que c'est une notion qui est problématique, parce que quand vous avez un gène qui est morcelable en énormément de morceaux, qui peut donner des informations si contradictoires les unes par rapport aux autres, qui peut dire oui et l'inverse de oui, qui peut donner des gènes qui permettent à la cellule de fonctionner dans un sens et puis de faire exactement l'inverse quelques temps plus tard, que c'est sur la même base génétique, la notion d'information, soit on accepte qu'elle est distribuée de manière très floue sur l'ensemble des gènes, soit on a un problème avec l'idée que chaque gène est responsable d'une information particulière. Et ça d'autant plus que, alors ça a été des travaux qui sont arrivés plus tard, à la fin des années 90 et dans les années 2000. C'est Kupiec. Voilà, avec les travaux de Jean-Jacques Kupiec. Pour être transparent, j'ai fait ma thèse avec lui, c'était mon directeur de thèse. On l'embrasse, je ne le connais pas. Voilà, on le salue, c'est quelqu'un de... Voilà, je pense que c'est un biologiste très important. Enfin, donc, je retiens mes embrassades, c'était un petit peu cavalier. Mais moi, je le salue, pardon. En tout cas. On le salue. Jean-Jacques Kupiec avait prédit dans les années 80 que quand on pourrait regarder les cellules fonctionner une par une, on serait surpris. Et que les cellules n'étaient pas le petit doigt sur la couture du pantalon à réagir toutes de la même manière dans un tissu donné, par exemple les cellules de foie, quand elles recevaient un soi-disant signal, ce qui est vraiment le vocabulaire de l'information. Ce que dit un manuel de biologie moléculaire, c'est que les cellules vont déclencher une cascade de réactions génétiques qui va leur faire produire... C'est tout ce que j'ai appris. Petite flèche, voit la protéine qui sort à la fin, comme dans une chaîne de montage. En fait, quand on regarde les cellules une par une, il se trouve que j'ai contribué à faire ça à titre personnel pendant ma thèse, on s'aperçoit que les cellules, quand bien même elles ont exactement les mêmes gènes, qu'elles sont exactement cyclées, qu'elles ont la plus grande homogénéité possible, en fait, elles font des choses très très différentes les unes des autres.
elles ont un comportement qu'on a appelé stochastique, qu'on a appelé aléatoire, que certains ont appelé un bruit de fond parce que justement, ce n'était pas en accord avec le programme. Alors c'est un bruit de fond dans un paradigme où l'information est la règle. Enfin, Et c'est un problème quand on pense en termes de programme. Ce n'est pas un problème si on se libère de cette notion de programme. Parce qu'en fait, ça permet d'imaginer que les cellules ont des comportements plus exploratoires, plus libres, plus imprévisibles. Et ça, c'est très libérateur parce qu'il y a une autre discipline en biologie qui s'est abstraite d'une notion de programme qui dirigeait tout, c'est la biologie évolutive. Un jour, je simplifie, mais des gens comme Darwin ont dit « Oh, il n'y a pas besoin d'un grand organisateur qui va tout diriger dans nos vies. Il y a des aléas, il y a des expérimentations, et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. » Les gens qui croient au programme, c'est presque des créationnistes ? Alors, je ne dis pas ça du tout, mais... il y a un problème avec une croyance trop dogmatique dans le programme. Et un bon exemple de ça, je vais prononcer un nom qui va probablement enterrer ma carrière de généticien. C'est pas grave. Mais je le dis en plaisantant parce que, un des plus grands vulgarisateurs de la théorie de l'évolution, qui est Richard Dawkins, en parlant de gènes égoïstes, a beaucoup œuvré pour donner l'impression que tout se faisait au niveau du gène. C'est vrai. Et on a reproché à Richard Dawkins, à certains moments, lui qui est un athée militant, d'avoir quand même réintroduit un dieu à l'intérieur de nous. Oui. Après, le gène égoïste, c'était une lecture hyper intéressante pour changer de perspective. C'était un basculement très intéressant. Peut-être qu'on va y rester, mais c'est un moment important. Donc, on a ce biais téléologique dans l'idée de programme, c'est-à-dire que s'il y a un programme, c'est qu'il y a un objectif, c'est qu'il y a une fin. Même si les gens ne veulent pas, même si je ne suis pas créationniste, je ne le suis pas du tout. Pourtant, le concept de programme me plaisait bien parce que c'est pratique. Et ça donne le sentiment aussi qu'on peut prévoir, que tout est sous contrôle, que quelque chose est un peu aux commandes, alors que si d'un seul coup, en fait, les cellules elles font un petit peu ce qu'elles veulent, en fait, c'est extrêmement angoissant. Donc, vous êtes venu nous angoisser, monsieur Imus ? Oui, mais un scientifique, ce n'est pas un professeur de moraline. C'est quelqu'un qui dit... les faits tels qu'il les observe avec ce qu'il a à sa portée à un moment donné. Donc moi, un scientifique n'est pas là pour rassurer ou pour paniquer, il est là pour dire ce qu'il observe. Et le problème, c'est qu'il y a des approximations de programmes qui fonctionnent. Par exemple, quand vous regardez le téléthon une fois par an, quand vous apprenez la génétique en première année, on va commencer par des cas de gènes très simples qui, quand ils ont une mutation... Cette mutation va produire un effet qui va se voir. Là, il y a un déterminisme qui est clair. Qui est clair, et c'est une première approximation. Et ça, moi-même... Et donc, c'est ce qu'on apprend en première année. Voilà, c'est très bien. Et on est content en génétique. Voilà. Oh, j'ai un gène, je comprends ce qui se passe. Mais le problème, c'est que ces exemples simples par lesquels on apprend la génétique s'avèrent être globalement des exceptions. Et c'est un problème d'enseigner quelque chose à partir d'exceptions. Je comprends très bien qu'on le fasse, je le fais moi-même. Mais après, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ça en acceptant cette idée que, en fait, quand plusieurs gènes se mettent à être impliqués dans un caractère, on ne peut plus fonctionner avec ces explications du programme. Quand un gène peut avoir un effet sur plusieurs caractères, dans l'autre sens, on doit aussi oublier cette notion d'écriture à l'avance, de choses qui sont écrites à l'avance. Mais ça veut dire qu'on ne comprend plus rien, en fait, c'est ça ? Non, c'est pas qu'on n'y comprend plus rien, c'est qu'on a peut-être besoin d'utiliser d'autres dynamiques. Si des modèles sont pas bons, il faut savoir les jeter. Mais j'ai pas envie. Il nous plaisait bien le modèle génétique, c'est vrai. Il y a un Fayou qui dit non parce qu'il a lu le bouquin, je pense. Mais ça pose vraiment le problème de parce que on sait très bien que les paradigmes, les théories restent même quand elles sont réfutées. Parce que ce qu'il faudrait, c'est qu'on propose autre chose à utiliser. Et moi, je ne fais plus de science, je fais de la vulga. En vulga, le terme de programme, peut-être que je vais l'utiliser. Peut-être que dans un an, j'aurais oublié et j'ai utilisé le mot programme. Et vous pourrez m'engueuler, Mais regardez, par exemple, c'est un détail, mais quand on parle de déprogrammation d'une cellule, de reprogrammation, en fait, on s'aperçoit qu'on est perdu. Parce que programmer, ça veut dire écrit à l'avance. Donc si on déprogramme, qu'on reprogramme, on parle de quoi, en fait ? On parle de plasticité. Après, l'étymologie, il faut s'en défaire un peu. Il faut l'apprendre avec mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre quand même que si on est autant en capacité de tordre ce concept dans tous les sens, que peut-être il n'est pas si nécessaire que ça. Oui. Alors, par quoi on le remplace, c'est la grande question, évidemment. Dans les travaux que les biologistes expérimentaux ont pu faire, tous ceux qui ont regardé les cellules une par une depuis le début des années 2000, et même parfois avant...
En fait, on peut s'apercevoir qu'il y a des comportements pendant la différenciation cellulaire, par exemple. Alors, la différenciation cellulaire, qu'est-ce que c'est que la différenciation cellulaire ? Prenez un organisme comme nous, une cellule œuf. On commence par être une cellule œuf, et puis on devient un bébé, un enfant, un adulte. Et pour ça, nos cellules, elles vont progressivement se multiplier, se différencier en cellules de peau, en cellules d'os, en cellules d'œil, tout ce que vous voulez. La manière la plus simple d'expliquer, la plus traditionnelle d'expliquer cette différenciation, c'est de dire il y a un programme qui dit à telle cellule, à tel endroit, tu vas devenir... Toi, mardi matin à 8h, voilà. Tu fais cellule nerveuse. On va t'envoyer des signaux moléculaires, des signaux biophysiques qui vont te faire te transformer progressivement. Et en fait, non. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, et s'il n'y avait pas un grand contrôle extérieur, mais qu'il y avait des moments où les cellules, le contrôle était relâché, c'est-à-dire qu'elles pouvaient explorer, ça veut dire quoi ? Elles pouvaient utiliser leurs gènes pour faire des trucs un peu variés, et que certaines trouveraient les combinaisons de solutions qui seraient adaptées à leur environnement, tandis que d'autres ne les trouveraient pas ou continueraient à patiner un peu jusqu'à temps de les trouver. Alors comment on fait la part des... comment on décide laquelle théorie est la plus vraie ? Par exemple, si on regarde les cellules une par une, si elles obéissent toutes le petit doigt sur la couture du pantalon, elles devraient exprimer les mêmes gènes. Ça tombe bien, avec des gènes fluorescents, on peut regarder des cellules en live, comme nous on est en live ce soir, on peut les regarder en vrai. Et puis on met des petits gènes fluorescents qui permettent de les faire prendre des couleurs différentes. Et on s'aperçoit que des cellules qui ont toutes les mêmes gènes, à qui on a mis des petits gènes en plus, qui produisent ces couleurs, produisent un arc-en-ciel de couleurs qui témoignent d'un arc-en-ciel de réaction. Possible. Est-ce qu'il n'y a pas des tendances quand même ? Il n'y a pas des, pas forcément. Des grandes tendances parce que Alors si, il y a des tendances. Il y a des tendances qui est que, par exemple, pendant les moments où elles sont stressées, elles produisent plus de diversité que quand elles ne sont pas stressées. Alors, moi qui étudie le stress, ça m'intéresse. Ouais. On va y venir. Mais, parce que, globalement, la cellule œuf se développe à peu près de la même manière chez tous les organismes de la même espèce. Eh oui, ça veut donc dire que malgré tout, il y a une sorte de régularité. Alors, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais quand on a séquencé les génomes, les biologistes étaient intéressés par la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un génome humain. Vous oubliez, il y a un holotype, c'est-à-dire que c'est le premier qu'on a fait, et puis il y a plein de variétés. Donc, on essaie de repérer dans la population les différentes variétés. Mais typiquement, malgré tout, à la fin, on a un bébé, il a deux yeux, deux oreilles, à placer à peu près au bon endroit, et c'est extrêmement bien régulé. Alors vous me dites que c'est le chaos, moi je ne vous crois plus. Oui. Alors, j'avais mon autre encadrant principal, Pierre Sonigo, quand j'étais en thèse, qui m'avait donné une métaphore, qui me dit, si tu vois une forêt de sapins, tu es en bas de la pente, et que tu vois un skieur qui sort les yeux bandés de cette forêt de sapins, et qui sort indemne et qui fait un superbe arrêt devant toi, tu dis c'est un miracle. Ça s'appelle le biais du survivant. Ouais, exactement. Si on vous apprend qu'au sommet de cette forêt, il y avait 100 000 skieurs et qu'ils sont tous en train de manger les branches des arbres ou les troncs et qu'il n'y en a qu'un seul qui est parti et qui est arrivé en bas, là c'est tout de suite moins miraculeux. Ouais. Pendant la différenciation cellulaire, il y a un fait qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a une mort cellulaire très importante. C'est ça le truc. Et oui, c'est ça le truc, c'est que dans la différenciation cellulaire, il y a typiquement 50% de cellules qui meurent, voire 90% de cellules qui meurent. Quand on est dans un paradigme du programme, ça pose quand même une petite question. Oui. En tout cas, ça voudrait dire que l'évolution ne serait pas suffisamment affûtée pour faire des programmes qui soient économes dans ses pertes. Bon, des fois, elle n'est pas économe, l'évolution. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, l'idée, mais qu'il faudrait calibrer avec d'autres endroits où finalement il y a peut-être des régularités qui sont plus fortes, c'est que en jouant sur cette dynamique d'exploration et de sélection dans un second temps, on peut trouver des réponses. C'est exactement ce qu'a fait Darwin, et c'est exactement comme ça qu'il a révolutionné la biologie à l'échelle des organismes. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un programme supérieur qui dirige l'existence des organismes et qui crée un équilibre de la nature, crée un ordonnancement. Donc on remet de la sélection et du darwinisme dans Exactement. Le développement. Exactement. Ça c'est fou. Enfin, c'est fou, c'est bien. En tout cas, c'est heuristique et c'est puissant et ça vaut le coup et c'est ouvert à l'expérimentation et à la réfutation. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un chemin, on peut, au terme de cette proposition, le quantifier, ça. C'est-à-dire trouver, par exemple, des moments où peut-être quand il y a 10 cellules qui doivent se différencier, on ne peut peut-être pas tout faire reposer sur le hasard. Il y a peut-être à ce moment-là des mécanismes de régulation qui ressemblent presque à un programme qui existe.
Mais par contre, quand on a 1000 cellules et qu'on sait qu'à la fin, on n'en a besoin que d'une dizaine, là, on peut s'en remettre à de l'exploration et à de la sélection. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est plus efficace en termes de, d'exploration des possibilités. C'est économe, c'est parcimonieux, ça évite de sélectionner des programmes qui ne servent à rien. C'est économe, pas en cellules. Pas en cellules, mais en fiabilité génétique, c'est économe. D'accord. Ouais. Alors, un mot sur le stress, parce que du coup, moi, j'étudie le stress, et ça m'intéresse beaucoup. Et ce qu'on sait, ce que je crois qu'on sait, c'est que les organismes dans des situations optimales marchent à fond et sont justement plutôt déterminés par des choses. Et dès qu'il y a une situation de stress, et bah, du coup, là, les bactéries commencent à se reproduire, donc elles créent de la diversité en se reproduisant. Ouais. On sait que d'un seul coup, les mutations augmente. Alors ça peut être subi parce que le stress produit des mutations et c'est la conséquence, mais ça peut aussi être un intérêt parce que quand on mute, bah, du coup on change, et du coup si on change on peut s'extraire au stress qui est présent. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup ce qu'on sait sur le stress, finalement ça, quand on a parlé, vous m'avez dit dans le développement il y a une sélection et il y a des passages clés du développement où d'un seul coup il y a une plus grande variété, ça ressemble à ce qui se passe dans le stress. Mmh. Est-ce que ça permet pas de remettre un petit peu le stress dans l'évolution ? Je précise peut-être la définition du stress que tu Le stress, c'est la réponse de l'organisme à une modification de son environnement qui met en danger ses équilibres internes. Mmh. Bien, justement, je pense que un des principes fondamentaux de ce qu'est la vie, c'est l'intranquillité. L'intranquillité. Et donc, le vivant, c'est toujours en équilibre entre un ordre et un chaos absolu. Et donc le stress, tel que d'ailleurs vous venez de le définir, de manière très générique, finalement représente bien ce que c'est que le vivant depuis que le vivant existe, c'est-à-dire de l'adaptation permanente à des variations environnementales. Donc peut-être que de manière, y compris médicale ou pathologique, on définit le stress de manière plus précise. Moi, je ne suis pas un spécialiste du stress, mais en tout cas, ce que j'entends dans cette proposition, moi, ça me semble reparler très bien de tout le vivant, en permanence. De toute façon, le stress n'a pas de limite. C'est-à-dire que c'est très compliqué de dire le stress commence là, et là, on est plus stressé, comme vivant, pas vivant, voilà. À tel point qu'il y a des définitions qui permettent de dire que tout organisme qui n'est pas dans les conditions parfaites est stressé, ou alors il ne l'est jamais, parce que puisqu'il survit, il n'est pas stressé. Donc c'est flou encore. Retenez les concepts flous, c'est vraiment un des trucs que je pense, et infravie, c'est ça, c'est des concepts flous. Je vous ai coupé la parole ou non, non, non. Ouais. Parce que des fois, je ne sais plus, je coupe trop la parole. Donc, l'idée que les cellules obéiraient à des gènes, c'est un petit peu simpliste, c'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. Le comportement exploratoire, on en a parlé, la différenciation cellulaire du coup, et vous avez utilisé le mot d'endodarwinisme. Oui, c'est le titre qui n'a pas eu une très grande postérité que j'ai donné, que j'ai glissé dans le titre de ma thèse. Voilà. L'approche endo-darwinienne de la variabilité entre les cellules. La stochastique, on en a parlé, avec le bruit génétique, du bruit que dans le paradigme, on pense qu'il y a un programme. Ça, si je peux me permettre juste une petite remarque, il y a, et c'est pour aussi nuancer les choses et pas être trop caricatural, il y a un domaine de la génétique qui est intéressant à observer, de la biologie moléculaire qui est intéressant à observer sous ce rapport en ce moment, c'est la biologie de synthèse. Ah oui. La biologie de synthèse qui se vend vraiment comme la biologie des machines vivantes qui va transformer les organismes, les surtransformer pour les faire produire tout ce qu'on veut, des dépolluants, des médicaments, tout ça, voire créer de la vie en laboratoire. Et bien, les gens qui étudient les cellules et qui essaient de changer leur soi-disant circuit génétique, pour utiliser ce terme de l'ingénierie électronique, les gens qui utilisent ce vocabulaire-là, en fait, ils sont allés regarder les cellules une par une, et c'est eux qui ont beaucoup contribué à documenter ce bruit, ce soi-disant bruit, parce qu'ils se sont aperçus que c'était quand même une grosse épine dans leur pied, d'avoir les plus beaux circuits électriques ou génétiques possibles, mais en fait, de s'apercevoir que les cellules, elles en faisaient un petit peu leur affaire, quoi. Ouais. Et donc, un peu à leur corps défendant, mais ils ont produit des données expérimentales intéressantes, un peu à leur corps défendant, ils ont contribué à documenter cet aléa dans l'expression des gènes et cette imprévisibilité dans le comportement des cellules. Une question par rapport à la définition vivant, c'est que c'est la NASA qui a donné la définition du vivant. Ils ont passé en revue, je crois, 125 ou 123 définitions du vivant différentes. Ils sont arrêtés sur une, vous me corrigerez si je me trompe, c'est un système autonome capable d'évolution darwinienne. Voilà. C'est ça. Et donc, ça veut-tu dire rien dire, c'est
Ben, évidemment, j'en parle un tout petit, je l'évoque un peu dans mon bouquin. Donc, il y a eu dans les années 80-90, un comité de la NASA ad hoc qui s'est constitué pour produire une définition du vivant. Pourquoi hein ? C'était pour nourrir la question de qu'est-ce qu'on allait rechercher quand on allait chercher. La NASA cherche. Voilà, il faut savoir ce qu'on cherche. Et donc, il faut savoir ce qu'on cherche. Et du coup, ils sont arrivés à cette définition qui est assez élégante, hein, faut le reconnaître. Système auto-entretenu, autonome, capable d'évolution darwinienne. Le problème, c'est que quand vous voyez un petit truc qui se balade, est-ce qu'il est capable d'évolution darwinienne ? Ça veut dire quoi être capable d'évolution darwinienne ? Si je suis un mulet, je vais pas beaucoup évoluer. Un cristal de quartz. Voilà. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est à la fois très séduisant et à la fois trop succinct pour être finalement très opératoire. Il y a un philosophe de la biologie qui a nourri mon travail dans les infrarouges, qui s'appelle Marc Bedeau, qui explique par exemple que des cristaux ont des capacités de croissance, ont des capacités de mutation, ont des capacités de sélectivité et ont des capacités d'évolutivité. Donc, si on utilisait ces termes-là, on pourrait croire qu'on parle des vivants. Or, certains cristaux tombent très bien dans cette définition-là. Mais les cristaux, c'est très vivant pour les chakras. Bref, ah, ça, là, c'est un territoire que je connais. J'ai glissé. Et que j'ai réussi à ne pas explorer pour mon bouquin. Pardonnez-moi, j'ai glissé. Sur un chakra. Alors, le programme fait un peu oublier la résilience du vivant. On a évoqué ça, je relis mes notes. Hein. Et exagère le point de vue réductionniste de son fonctionnement. Et ça sera un peu la conclusion sur le réductionnisme et de ses limites. Et donc, pour finir cette partie sur la fin du programme, finalement, les cellules, le vivant est plus libre qu'on ne l'imaginait, peut-être. Exactement. Je ne saurais pas mieux le dire, en fait. Je pense que la liberté d'action des cellules, qui a été perçue comme un problème majeur, enfin, quelqu'un comme André Lvov, par exemple, qu'un des quelques grands prix Nobel français de biologie avec Jacob et Monod, a écrit que la liberté cellulaire, c'était la mort cellulaire. Il a écrit ça dans un livre. C'était vraiment cette idée que le comportement libre des cellules qui échapperait à un programme serait le signe de leur perdition. Et ça, toute la biologie expérimentale, c'est vraiment quelque chose que je voudrais communiquer parce que c'est ça qui est beau dans la biologie expérimentale, c'est ces surprises-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments, même on peut avoir une inertie, on a tous une inertie, on arrête de croire à certaines choses avec des différences, des vitesses différentes. Mais il y a des moments où il y a des faits qui sont surprenants et la biologie est prodigue de ça. Qui nous oblige finalement à se dire bon, il faut laisser tomber ces visions qui sont caricaturales et qui sont finalement archétypales parce que ça renvoie à des biologies extrêmement anciennes. On pourrait parler de préformationnisme, des visions de biologie qui sont très modernes quoi. J'ai une objection. Ouais. On a reçu Thomas, il s'appelle Thomas mais son prénom j'ai oublié. Frédéric Thomas qui a écrit le livre L'abominable secret du cancer, et où justement il a pareil, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a réinjecté du darwinisme dans la manière de lutter contre le cancer, et on a quand même cette idée que un organisme c'est un ensemble de cellules qui se comportent bien les unes avec les autres, qui se conforment à des règles malgré tout, et puis d'un seul coup il y en a quelques-unes qui reprennent un fonctionnement atavique, ancestral, de cellules toutes seules, qui oublient qu'elles viennent en société, puis qui fait une tumeur, puis qui se multiplie comme elle veut, etc. Et ça ressemble à ce que disait le nom de ce monsieur. Dès qu'elle sort du programme, en effet, c'est la mort, mais pour l'individu, pas pour elle. Le problème, c'est quand on s'appuie un peu trop sur ce genre de métaphore ou d'opposition binaire, on tombe un peu là-dedans. Par exemple, qu'il y aurait une sorte d'harmonie entre toutes les cellules de l'organisme. Oui, qui le sait ? Nous sommes une symphonie. Des cellules meurent tous les jours. Nous coexistons avec des milliards de bactéries, avec des relations qui peuvent être conflictuelles. C'est pas parce qu'on a tous des choses des apparences. On a une structure similaire. Comme on dit, on a tous un nez au milieu de la figure, et ça, donc on a l'impression que pour ça, il faut qu'il y ait une harmonie. Je voudrais qu'on évite quand même les généralisations abusives. Mais voilà. En gros, on s'est compris, c'est la règle. Voilà, il semble y avoir une règle, et qui dit règle dit harmonie pour y parvenir. Mais en fait, rien n'oblige à le penser. Ou alors, ça voudrait dire qu'il faudrait imaginer qu'il y ait une harmonie entre, par exemple, à l'échelle des organismes, qu'il y ait une harmonie entre les proies et les prédateurs qui régule, par exemple, la quantité de proies et la quantité de prédateurs dans un écosystème. Ça, c'est une vision qui est très, très troublante, en fait.
Ça veut dire qu'il y a le monde serait un jardin, par exemple. On est sorti de ça. La nature est quand même bien faite. Hein. Voilà, que la nature serait quand même bien faite. Bon, ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas vraiment de raison de ne se reposer que sur des idées harmoniques. Oui, mais ça peut exister. Alors, oui, mais c'est compliqué. Il peut y en avoir en partie, mais il n'y a aucune raison que ce soit l'hypothèse par défaut. Moi, je vais vous contredire, ça va pas du tout. C'est pour le fun, hein. ne vous énervez pas. Parce que, voilà, quand je compare ce que m'a dit Frédéric Thomas, qui était hyper intéressant, qui était très, très mind-opening sur ce que c'est que le cancer, voilà. Ça a l'air de contredire ce que vous me dites, à savoir que quand on a un petit peu trop de liberté et qu'on sort une forme de programme ou de régularité, alors la cellule, elle oublie qu'il y a des règles à respecter et elle devient dangereuse. Et du coup, la manière de combattre ça, c'est pas d'aller la sommer avec des produits, mais c'est de la faire rentrer en compétition avec elle-même. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que grâce à la thématique du cancer, la conflictualité à l'intérieur des organismes a refait la une. Notamment, il y a une couverture de Nature à la fin des années 2000 qui s'appelle Battle Lines, où on voit, en fait, l'idée, ils ont mis en évidence qu'il y avait toute une série de conflictualités dans les relations intercellulaires. Alors, généralement, on y pense avec le cancer, parce que pourquoi le cancer, c'est vu comme quoi des cellules qui vont muter, comme elles n'ont plus le même programme génétique. C'est du non-soi. Ça devient un peu des extérieurs à l'intérieur de nous-mêmes, c'est des intrus, en fait. Et là, on accepte qu'il y ait cette conflictualité, parce qu'il y a un truc génétique qui a changé. Il y a une mutation, tout ça. Bon. Oui. Il se trouve qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. D'abord, qu'il y a des débats sur la nature uniquement mutationnelle du cancer. Il y a des théories très sérieuses, notamment par Anna Soto et Carlos Sonnenschein, qui propose aussi de parler du cancer à l'échelle tissulaire, avec des déterminants de démarrage du cancer qui pourraient ne pas passer par des mutations ponctuelles, et donc qui serait une sorte d'environnement dans lequel des cancers pourraient apparaître, des disruptions dans les dynamiques qu'il y a dans les organismes. Donc les mutations à l'origine des cancers sont très nombreuses et très puissantes, mais on n'a pas fait forcément la démonstration que tout se passe à ce niveau-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en faisant ressortir cette dynamique de conflictualité à l'intérieur des organismes grâce à la thématique du cancer, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de raison, a priori, à part dogmatique, de considérer que les cellules se comportaient docilement les unes vis-à-vis des autres quand elles avaient exactement les mêmes gènes. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est très dogmatique. Ou alors, il faut le démontrer. Oui. Et quand on essaie de le démontrer, je vous dis, on les regarde une par une. On voit si, quand on leur soumet toutes les mêmes causes vont produire les mêmes effets, elles vont réagir de la même manière. À chaque fois qu'on fait ça, on observe qu'elles ne réagissent pas de la même manière. Est-ce que c'est pas, en gros, il y a un peu d'essentialisme, c'est ce que vous nous dites dans la manière dont on voit ça, un essentialisme génétique du gène. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a accepté le fait qu'on avait plein de bactéries à l'intérieur de nous et sur nous, qu'il y avait peut-être même plus de cellules bactériennes. À peu près autant, visiblement. Voilà, donc c'est beaucoup. Donc ça, bon, ok, on vous l'accorde. Allez, si maintenant vous dites qu'en plus, mes cellules, elles font ce qu'elles veulent et que... c'est qui le patron, quoi. On a le sentiment quand même, mes cellules sont à moi, mon code génétique il est à moi, c'est mon patrimoine génétique, on a même ce terme-là. Est-ce qu'on n'inverse pas voilà, donc, chose, ouais. Ma question, voilà, en tant qu'individu, est-ce que quand même j'ai pas le droit de dire ce sont mes cellules à moi, donc à un moment donné je veux comprendre ce qui se passe et il faut bien qu'il y ait des règles, puisque ma main à cette forme-là n'est pas une autre. Mmh. Et donc, je sais bien que la science c'est pas ça, mais l'attente que nous on a, c'est de comprendre ce qui se passe et c'est qu'on nous dise. On veut comprendre les règles du jeu, en fait. Ouais, mais... Et là, vous nous dites que toutes les mots qu'on a pour comprendre les règles, ce n'est pas les bons mots. Alors, ça, je peux encore comprendre, mais on remplace par quoi? Et les dynamiques de hasard en sélection sont des règles. Mais c'est plus compliqué à comprendre. C'est pas facile à appréhender. Oui, mais et votre micro, il faut mettre comme ça, parce que sinon, Corentin, il va. Pardon, je suis désolé, je suis vraiment confus. Le conflit est là, c'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus compliqué de comprendre pour l'instant. Ce que vous me dites, on n'est pas prêt encore à shifter comme ça. Moi, j'ai dit adieu à mon paradigme, mais j'ai du mal. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, avant de passer aux conséquences, parce que d'ailleurs, le programme avait des conséquences aussi sociales, politiques, etc. Ouais. Pour en finir avec le programme, quel vocabulaire vous suggérez? Eh bien, très modestement, je pense qu'il ne faut pas utiliser des mots qui sont inutiles. Et donc, quand on parle de la manière dont les gènes s'expriment, il y a évidemment des gènes qui s'expriment, qui sont utilisés, mais il n'y a pas forcément besoin de parler de leur
régulation précise, de leur récurrence, par exemple. Il faut dire ce qu'on voit. Enfin, je sais pas comment le dire. En gros, moi, je m'amuse à le gène intervient, mais pas dire que le gène code, le gène commande. Voilà, le gène ne commande rien du tout. Le gène, il est pris dans un réseau de gènes. Qui peuvent. Ça l'énerve, hein, je dis comme... Non, mais. Le gène ne commande pas. Et je mets mon micro de plus en plus près. C'est vrai. Le gène est pris dans un réseau de gènes qui peuvent annuler, voire produire un effet inverse. Il est pris dans une interaction avec l'environnement qui peut aussi avoir ces effets-là. Et donc, moi, j'y arrive peut-être pas très bien, mais j'essaye de faire des cours entiers de génétique où je parle pas de programme à mes étudiants. Voilà. Ok. L'emploi de certains mots qui ont beaucoup critiqué le vocabulaire qu'on a utilisé. Je pense que c'est important de rappeler de manière un peu régulière quand même que le langage est bien impuissant pour parler du réel. Tout à fait. Que c'est très très compliqué de parler du réel avec un outil n'a même pas été fait pour ça et même ça c'est un abus de langage. Oui. C'est très très compliqué. Donc, quel mot on reproche Comment Quel mot on reproche Il y a eu des mots comme harmonie, justement, programme, énormément. On l'utilise pour le critiquer. Oui, bien sûr. Oui, non, mais bien entendu, mais je pense que c'est important de le rappeler. Je suis d'accord. Et alors justement, c'est parce que je suis d'accord que j'enfonce le clou. C'est-à-dire que quand on sait que le langage est imparfait, les mots sont des bornes dans un univers continu, il y a un nombre limité de mots, il y a une infinité de cas, enfin bon, voilà. On sait qu'on est piégé par ça. D'où l'importance de ne pas se surajouter un problème supplémentaire en s'enfermant dans des métaphores qui ont des limites. Voilà. Et donc, encore une fois, les métaphores, on peut les utiliser pendant un certain temps, on peut les utiliser dans des circonstances très particulières, mais quand on en vient à en faire un cadre général, il ne faut pas après s'étonner qu'on puisse... Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec la critique que certains mots puissent être enfermants. Et c'est pour ça que j'essaye de penser, avec d'autres, hein, je ne suis pas du tout le seul, j'ai eu l'occasion de le dire, je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant, je suis loin d'être le seul ni le premier, mais de penser une biologie qui se passe de ces mots qui me semblent désuets, en fait. Ah, totalement d'accord, et c'est aussi pour ça que je revenais sur cette critique. Et en plus, là, le moment où on re-questionne le terme programme, ça me semblait pertinent d'en parler ici. Alors, avant de passer à la partie 3, et après on passera à vos questions, la 3, ça va être un peu plus court. Hein. Un petit mot pour vous dire que le prochain tranchant live, donc le 115, on va s'intéresser à l'alcool avec un addictologue, M. Harry Martini, de France Addiction. On va se demander est-ce que la France a un problème avec l'alcool ? Il y a des chances que ce soit vrai. Voilà, culturellement. Oui. Prends ce micro-là pour l'instant. Non, qu'est-ce qui passe ? Ce micro grésille. Il grésille. Je sais que les gens se plaignent, on n'a pas suffisamment de problèmes de son dans ce live. Mais c'est pas une raison pour les satisfaire à ce point. Ce sera le 19 octobre. On ne sait pas encore où. On cherche un lieu. On va trouver. Voilà. Et puis, pour la suite, j'ai pas d'infos dures. Donc voilà. Mais venez. Vous allez revenir vous en live nous voir. Très bien. Bon, ils sont quand même bien dressés quand même. Alors, je reviens. Quelles conséquences tout ça ? Ouais. Parce que si on critique le mot programme, c'est parce qu'il est un obstacle à la compréhension scientifique, et ça c'est votre travail. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences sociales à l'idée qu'il y aurait des programmes, donc des manières de bien écrire l'humain, et puis des manières de moins bien écrire l'humain ou les autres. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas parlé de programme pendant 60 ans, mais qu'il y avait quand même un peu sous-jacente des idées qui pouvaient préfigurer le programme. Et c'est vrai que la génétique porte en elle son péché originel, qui est l'eugénisme, hein, il faut le dire. Donc, Là, on va balancer, là. La génétique de base, c'est un peu complaisant avec l'eugénisme. Ah bah, bien sûr, c'est d'ailleurs c'est une vérité historique. Peut-être que, à tort, on croit que l'eugénisme est le produit d'une légende noire du milieu des années 30 qui aurait dégénéré en Allemagne et qui aurait été soldée par les lois de Nuremberg. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. L'eugénisme est consubstantiel de la génétique. À peu près tous les grands généticiens des années 20-30 étaient à des degrés divers des eugénistes. Alors évidemment, ils auraient été horrifiés hein, de ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais en fait c'est pas que quelques soldats perdus de la génétique qui ont été en faveur de l'eugénisme. Tous les généticiens les plus grands généticiens ont signé en 1938, ce qui n'est pas une date précoce, un manifeste visant à promouvoir l'idée que c'était positif de vouloir
tirer la société vers le haut, je mets tous les guillemets du monde à ce que je suis en train de dire, grâce à de l'amélioration génétique. Donc là, il y aura des gens qui vont vous couper, ils vont dire « Ah, le généticien, il a dit ça, il a dit qu'il fallait sélectionner les humains. » Non, non, mais dommage, j'ai encadré ce que j'ai dit, bien sûr, mais il faut le reconnaître, enfin, ça, c'est un devoir de vérité qu'on a vis-à-vis de notre discipline. Et ça, ça a été très bien documenté. Il y a même d'ailleurs, et ça permet à chacun de penser contre soi-même, il y a même dans les courants très progressistes des années 10, des années 20 en France, des gens qui étaient très pour l'eugénisme, parce que c'était quoi ? C'était une manière de se libérer de nos chaînes génétiques, hein, comme on pouvait vouloir se libérer de beaucoup de chaînes, de beaucoup de déterminismes sociaux. Pourquoi ne pas se libérer de nos déterminismes ? C'était émancipateur. Alors on n'avait pas évidemment envisagé le pire, mais il faut aussi dire d'ailleurs que l'eugénisme ne s'est pas arrêté en 1945. Il y a eu une revue d'eugénisme jusque dans les années 60. Il y a eu des pratiques eugénistes de stérilisation forcée en Scandinavie jusque dans les années 60. Enfin, il y a eu beaucoup de pratiques qui sont très problématiques. Dans le Pérou, dans les années 90, des expériences aux États-Unis, l'expérience de Tuskegee qui a duré entre les années 30 et les années 60, où on a inoculé de la syphilis à des populations, et en particulier des populations noires. Enfin, donc, tout ça a duré avant et après la Deuxième Guerre mondiale, avant et après le nazisme, pour le dire tout simplement. Donc, alors, je ne dis pas que la génétique conduit inévitablement et uniquement à l'eugénisme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme la génétique a été perçue comme une arme puissante de permettant de faire la sélection sur les animaux, sur les plantes, évidemment, le ver était dans le fruit et il y a forcément eu des esprits pour dire pourquoi pas ne pas l'appliquer aux humains, y compris pour le meilleur. On a vu que quand on le faisait pour le meilleur, ça conduisait forcément au pire. Et puis, Huxley, le meilleur des mondes. Hein. Oui, exactement, bien sûr. Et alors, si je peux me permettre un dégagement plus contemporain, il est en train de se rejouer la même chose, mais qui va nous intéresser au vu de la critique qu'on a fait du programme, avec le dogme transhumaniste, avec le narratif transhumaniste qui se fait passer pour une science. On peut définir le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la volonté de dépasser les frontières de l'humain. Donc ça suppose qu'il y ait des frontières, en prenant notamment comme point de départ le soi-disant programme génétique, en transformant nos gènes. Alors il y a plusieurs variantes du transhumanisme, il y a notamment par exemple ceux qui veulent créer des interfaces entre les humains et les machines, et par exemple avec des élucubrations plus ou moins exotiques, transférer nos esprits dans des machines pour après pouvoir les remettre dans des humains, enfin avec des va-et-vient. Cette histoire-là. Altered Carbon est une excellente série de science-fiction. La deuxième saison n'était pas terrible. La fiction, c'est super. La deuxième saison n'était pas terrible. Non, c'est vrai. Non. Mais la première est très très très, très bien. Voilà, exactement. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que la science-fiction est un outil d'ailleurs puissant parfois critiquer, mais aussi pour nourrir ces fantasmes-là. Et elle, par exemple, dans Altered Carbon, ça repose entièrement sur l'idée qu'il peut y avoir une équivalence physique, matérielle, moi je suis un matérialiste convaincu, entre la mémoire des ordinateurs et la mémoire des humains, par exemple, la mémoire biologique. Bon. Or, rien ne prouve à ce jour qu'il y ait quoi que ce soit de comparable dans la structuration de la mémoire humaine qui soit comparable à de la mémoire informatique. Il y a des gens qui le disent, mais il y a des spécialistes de neurosciences qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui pensent que la mémoire est très distribuée dans plein de neurones, qu'elle n'est pas localisée dans des petits neurones. Mmh. Donc, tout le présupposé du transhumanisme, qui est une forme d'eugénisme qui ne dit pas son nom, parce que il est réservé à une élite, il est très ultralibéral, enfin, il est caractérisé par quelque chose de très trouble, en fait, une vision très inégalitaire de la société. Et ben, ce transhumanisme-là, on peut le critiquer sur le plan éthique, mais moi, mon combat, mon cheval de bataille, c'est aussi de dire qu'il n'a pas de fondement scientifique, il n'a pas de fondement épistémologique. Et ça, il faut le déconstruire, d'autant plus que les gens disent, s'il y a un programme informatique et qu'il y a un programme génétique, pourquoi ça ne pourrait pas converger ? Ben non, il n'y en a pas. Puis de toute façon, pour revenir sur l'eugénisme, c'est pas parce qu'on est capable de reconnaître les dérives de sa propre discipline qu'on les valide pour autant. Et même, c'est une force d'autocritique d'être capable de le faire. Et surtout, il faut avoir conscience de ce qui a été mal fait pour pouvoir mieux faire dans le futur. Et ça permet de s'apercevoir, alors ça, c'est des choses qui pourraient nous emmener très loin, mais ça permet de s'apercevoir à quel point, quand une discipline est puissante, a le vent en poupe, elle fait de ses acteurs des gens savants, des gens puissants intellectuellement, mais qui finalement font un effet retour sur le pouvoir politique. Hein. Et ça, il faut savoir ses pouvoirs. Francis Bacon, c'est ça, hein, voilà. J'ai quelques références. Le clonage,
un mot ou pas, c'est pas, c'est un peu passé de mode, j'ai l'impression. Mais alors bon. Et c'est intéressant parce que le clonage, de quoi s'agit-il ? Le clonage, c'est l'idée qu'on peut dupliquer le code génétique d'un individu pour refaire un individu identique. Alors, ça a été très célèbre à la fin des années 90 quand on a cloné Dolly. Clonage qui a réussi parce qu'on en avait raté 250. Hein, oui. Elle n'a pas vécu vieux, hein, quand même. Non, pas du tout, non. Voilà. Mais donc il y a des essais et des erreurs, je le dis encore une fois, hein, c'est nourrissant cette réalité-là. Et en fait, le clonage était, alors bon, il a nourri des fantasmes de clonage humain avec les fausses annonces Raël. Voilà. Du coup, la petite Ève, elle a quel âge ? Elle a 20 ans ? Eh ben, elle a c'est maintenant, 2002, je crois. Elle a 22 ans. Ouais, ouais, ouais. On attend qu'elle nous dise, qu'elle passe une tête, mais on l'a jamais vue. En tout cas, ça a nourri ces fantasmes-là, mais ça a aussi, de manière peut-être plus sonnante et trébuchante, nourri des espoirs de fabriquer des animaux d'élevage qui seraient tous des animaux de compétition et qui, bon, qui seraient super producteurs. Le problème, c'est ça, c'est le généticien, y compris le généticien animal, avec les ancrés, les deux pieds dans la science animale des animaux d'élevage. Un des points cardinaux du généticien, c'est la variabilité, c'est la diversité. Ouais. Et quand vous avez les meilleurs, entre guillemets, animaux du monde, d'abord, ils sont seulement meilleurs en fonction d'un critère qu'on fixe comme étant le meilleur, et le jour où il y a un problème qui en touche un, ils les touchent tous. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des troupeaux divers ou des animaux divers, parce que c'est ce qui permet d'assurer la pérennité de l'espèce. La vigueur hybride. Le clonage, n'a pas produit de gros effets économiques. Il y a des start-up qui se sont montées pour cloner des animaux domestiques. On s'est aperçu que mamie envoyait l'ADN de son chat, et puis que le chat qui lui revenait, il n'avait pas les taches au même endroit parce que c'était épigénétique, manque de bol. Et du coup, le business n'a pas trop marché. Heureusement, le public que les taches ont changé, comme ça a mis un... Sinon, ça aurait eu beaucoup plus de succès. Alors maintenant, le clonage est très utile. Sur le plan expérimental, dans les laboratoires, on en fait à l'INRA, par exemple, il est très utile pour justement mesurer tout ce qui n'est pas génétique, parce qu'on produit des êtres qui sont identiques génétiquement, et comme ils ne sont pas pareils, du coup, on peut regarder toutes les différences qui sont d'origine non génétique, qui peuvent être épigénétiques, qui peuvent être d'autres natures. Et ça, c'est très utile. Donc la variabilité. C'est le genre d'utilité que ça peut avoir, mais ça n'a pas du tout, ce rôle prophétique qu'avait pu avoir le clonage quand il est arrivé dans la société dans les années 90. Alors, j'ai une petite question de Béotien Total en génétique, justement sur cette histoire de nécessité d'avoir plusieurs individus qui ont beaucoup de variabilité chez eux, que justement c'est très très fécond pour l'espèce. Est-ce que ça peut être mis en parallèle avec justement ces éleveurs qui vont rechercher des animaux absolument parfaits, qui ont des caractères parfaits, qui se ressemblent tous et qui les font tous se reproduire les uns avec les autres et qui au final produisent des animaux qui sont malades et qui sont... Exactement, ça s'appelle la montée en consanguinité. C'est valable pour toutes les populations naturelles, en tout cas animales, en tout cas mammifères, c'est valable pour les animaux d'élevage. Et vous pouvez avoir les meilleurs croisements intra-races. Au bout d'un moment, les races étant des effectifs limités, il y a des problèmes. Donc il y a toute une gestion savante. Il se trouve que c'est mon équipe, mon UFR à l'agro est pionnière sur ces questions-là, travaille là-dessus, y compris dans les contraintes sociétales. Par exemple, en France, on gère les races bovines en race pure. C'est-à-dire qu'on ne va pas croiser... une Primolstein avec une Normande, on doit rester en race pure. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a un apparentement très grand, un cousinage très grand entre toutes ces vaches. Et on travaille justement sur comment gérer au mieux cette montée en consanguinité. Mais oui, de toute façon, plus on fonctionne en circuit clos, plus on menace sa pérennité. Oui, ça, c'est une donnée fondamentale de la génétique. Je vais me permettre un truc peut-être. Je vais être iconoclaste, je vais être excessif, vous allez me corriger. Est-ce que acheter des animaux de race, c'est de la maltraitance ? Je le pense. J'en sais rien. En tant que généticien, est-ce que ça pose problème, les élevages ? Je pense aux chiens de race, pour les animaux déformés, etc. Pour les animaux de compagnie. Oui. C'est sûr que, je sais pas, c'est en tant que tel, le fait d'acheter un animal de race, c'est un acte de maltraitance, mais il y a beaucoup de tendances à produire des chiens pour des raisons esthétiques. Alors, je sors un peu de mon domaine de compétences, donc je vais pas forcément dire des choses qui sont très, c'est comme ça qu'on fait. Très précises. Je sors de mon domaine de compétences, le monsieur, il a fait un truc extrêmement important qu'on ne voit jamais à la télévision. Merci beaucoup pour C'est normal, mais c'est une cascade en direct. Merci beaucoup. Non, mais c'est,
C'est évident que, notamment sur ces chiens qui ont des faciès très particuliers, qui ont des problèmes de respiration et tout, il y a des problèmes qui peuvent ressortir de la maltraitance. Je peux juste illustrer par un exemple donc, que je connais un peu mieux, qui est sur des vaches, pardon, parce que je viens de l'agro. Hein, je suis venu avec mes bottes et ma terre à mes souliers. Non, mais on respecte. J'en fais des tonnes, mais c'est aussi un peu, je défends aussi cette dimension-là de la génétique, parce qu'elle a apporté beaucoup de choses. Il y a des races, par exemple, une race de vaches qu'on appelle la blanc-bleu-belle, qui est très connue parce qu'elle a beaucoup de muscles et elle produit des très gros veaux, donc pour les vendeurs de viande c'est très intéressant, enfin voilà. Et il se trouve que ces animaux sont très gros, leurs bébés sont très gros, et du coup il y a des problèmes de mise bas qui sont très importants, et il y a besoin quasiment systématiquement de césariennes qui, comme vous pouvez imaginer, ne se font pas dans des conditions qu'on pourrait faire sur les humains, et déjà que chez les humains c'est pas une partie de plaisir, alors vous imaginez chez les animaux. Et bien il y a certains pays comme la Norvège où la blanc-bleu belge, l'existence de la blanc-bleu belge est interdite. D'accord. Parce que leur propre existence est vue comme une atteinte au bien-être. Intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'on va les exterminer, ça veut juste dire qu'on va arrêter de les encourager à se reproduire. Quoi. Oui, et ça on les croise. C'est important de le dire. Je suis d'accord. Et ça illustre aussi la subjectivité des appréhensions éthiques dans différents pays. Et entre la Norvège et la France, ce n'est pas pareil, mais on est dans un bassin culturel qui est quand même assez homogène. Ça reste européen. Et, voilà. et pourtant, il y a quand même des différences. On va se tourner vers le public pour savoir si vous avez des questions. Vous allez vous presser tous en masse sur l'escalier qui est là. Vlad va venir avec un micro. Et pendant qu'il se déplace, moi je pose une dernière question. En vous citant, vous m'avez cité une phrase qui me semble être une bonne conclusion, mais vous pourrez la développer. J'espère que je serai d'accord. Je vous dis qu'il faudrait, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, aller vers plus de modestie concernant la contribution de la génétique à la compréhension du vivant. Est-ce que ça veut dire que la génétique, il faut qu'on arrête de se prendre pour des cadors, et qu'en fait... Il faut toujours qu'on arrête de se prendre pour des cadors quand on fait de la science, c'est très important. Enfin, il faut avoir de l'ambition, de l'énergie, de l'enthousiasme, ça c'est très bien. Hein. Enfin, j'encourage les jeunes qui veulent faire de la science à avoir beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie de changer les choses, il y a plein de choses à changer. Mais je pense que, c'est peut-être les années avançant qui me font dire ça, mais je pense que la science, ça n'est pas une prophétie, encore moins une prophétie autoréalisatrice. La science doit avancer avec opiniâtreté, avec sobriété et avec modestie. Et c'est quand elle fait ça qu'elle arrive à des résultats extraordinaires. Très bien. Un appel à la modestie. Du coup, nous avons les questions ou on n'a pas de questions? Est-ce que les caméras tournent? Nous avons des questions. On a deux questions, mais il n'y a aucune caméra vers vous. C'est pour ça que je suis un peu inquiet, mais ça va venir. Allons-y. Je tends le micro. Bonsoir. Alors, bonsoir. Merci beaucoup déjà. Ah, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'aurais deux questions. La première concerne, vous parliez du code génétique. Alors, j'étais très interrogé, puisque alors, lorsque j'avais des cours de biologie en terminale, alors c'est très approximatif les cours de biologie de terminale, mais on m'avait appris que le code génétique, c'était pas justement le génome, c'était la façon de transcrire entre les codons, pardon, et justement les nucléotides. Enfin, pardon, ce qui compose les acides aminés. Les acides aminés, merci. Ça commence à remonter un peu. Et justement, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous considérez que le code est effectivement cette façon de transcrire les deux, ou bien on peut parler du génome comme un code? Oui, bah, merci de me fournir l'occasion de clarifier si j'ai été flou. Je suis d'accord avec la précision que vous faites. Le code, c'est la correspondance entre la structure moléculaire de l'ADN, donc les nucléotides, l'enchaînement des nucléotides, et celle des protéines, qui est un enchaînement d'acides aminés. Et donc c'est bien ça, et quand je parlais de pierre de Rosette, c'était à ça que je faisais référence. La pierre de Rosette, c'est la pierre qu'a découvert Champollion et qui lui a permis de comprendre le langage des hiéroglyphes, parce qu'il était écrit dans deux autres langues. Et donc c'est vraiment ça. Le code, c'est une correspondance. Hein, c'est donc une correspondance entre ces deux langages, même si je répugne à utiliser trop le vocabulaire du langage dans ce type de réponse. Mais je m'en sers aussi, voilà. C'est l'occasion de le montrer, que parfois des approximations permettent de se comprendre. Mais oui, vous avez raison, c'est pas la structure de l'ADN lui-même, c'est le fait qu'il puisse avoir un sens en protéines. Et quelque chose qui a été très important, c'est de s'apercevoir qu'il était universel. On aurait pu faire s'il n'avait pas été universel, mais c'est le même code pour les bactéries, les séquoias, les cochons et les champignons. Et les séquoias, c'est très beau. Il n'y a pas un code par grand type biologique, ou il n'y a pas un code par espèce.
Alors, si y en avait eu un par espèce, on aurait pu faire des correspondances entre codes, mais là, le fait que ce soit le même pour tout le monde a autorisé, par exemple, à prendre des gènes de bactéries pour les mettre dans des plantes. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des virus qui passent d'animaux à d'autres. Ça n'a pas que des conséquences positives. Il y avait une seconde question ? Oui, merci. Alors, merci beaucoup, déjà. Et ma deuxième question concernait... Alors, vous parliez de d'épigénétique très rapidement. Oui. Je voudrais juste poser une petite question là-dessus. J'aimerais savoir si on sait quel est l'impact que l'environnement, enfin jusqu'où l'environnement peut avoir un impact sur le génome d'un individu, c'est-à-dire si un individu devrait faire, enfin devrait faire avec des très gros guillemets, 1m80, jusqu'où cet individu pourrait modifier, enfin jusqu'où la taille de l'individu lorsqu'il a fini sa croissance pourrait être modifiée par rapport à ce qu'elle devrait être logiquement. Le déterminisme autour du gène, c'est ça ? Eh bien, voilà un peu. Alors. Merci pour votre question. En fait, la réponse est compliquée parce qu'il y aurait une réponse par caractère. C'est-à-dire que la taille, elle est codée par des gènes, un certain nombre de gènes. Il n'y a pas un gène qui va décider que vous allez faire 1m80. D'accord ? Mais vous avez plein de gènes qui vont vous donner plus d'hormones de croissance ou pas, ou des variantes de l'hormone de croissance qui vont être plus ou moins efficaces, par exemple. Et puis, il y a, par exemple, ce que vous allez manger au cours de votre vie. Est-ce que vous allez faire du sport ? Est-ce que vous allez potentialiser ce que vous avez dans la génétique par votre adaptation à l'environnement ? Et en fait, il n'y a pas de part d'inné d'acquis, ou il n'y a pas de part séparée de l'environnement et de la génétique. Chaque gène, pour chaque gène, tous les autres gènes sont déjà son environnement. Et donc, c'est ça le truc, c'est que chaque gène, on se le représente intellectuellement comme ayant une action individuelle, mais en fait, il est en permanence sous contrainte des autres gènes, de l'environnement immédiat de la cellule. On n'en a pas parlé, mais la cellule, ce n'est pas des petits gènes qui vont d'un point A à un point B de manière très libre, c'est très encombré, les gènes tâtonnent, les ARN se déplacent de manière très erratique. Bon. Et donc, déjà, la cellule elle-même et son environnement, le reste de la cellule, de l'organisme, est un environnement, et il y a l'environnement extérieur. Donc, en fait, il n'y a pas d'existence individuelle des gènes. Et cette notion de séparation entre l'environnement et la génétique, elle est très complexe. On comprend bien ce que ça veut dire, mais en fait, elle n'est valide que dans un certain nombre de cas qui sont très résiduels, ces fameux cas de mutations génétiques très rares qui, quand elles arrivent, vont vous donner la drépanocytose si vous avez l'allèle muté à l'état homozygote. Bon, le problème vient que on a à l'esprit des fonctionnements qui sont très... la règle est exceptionnelle. Oui. Et comme on a, comme vous, on a ce fonctionnement-là, on se dit, comment ça, ça marche ? En fait, ça marche rarement comme ça. C'est rarement un déterminisme direct, ouais. et on n'a pas les mots. Et il y a un concept qui existe, qui est un peu moins connu que celui d'hérédité, qui s'appelle l'héritabilité, et qui part justement de caractères. On part des caractères, il n'y a pas de tabou sur le caractère auquel on s'intéresse. Je m'intéresse au poids, je m'intéresse à la taille, je m'intéresse à la résistance aux maladies. Et je regarde, entre un parent et un descendant, enfin entre une génération et la génération suivante, dans quelle mesure il est hérité. Et c'est quelque part entre 0 et 100%. Et ça va parler de son héritabilité plus ou moins grande. Et en fait, quand un caractère très rare est codé par un seul gène, il peut avoir une héritabilité très forte. Et quand il y a plein de gènes qui interviennent et qu'il y a l'épigénétique et qu'il y a l'environnement, l'héritabilité est beaucoup moins forte. Et donc, il faut savoir en tenir compte. Et quand je parlais de modestie, c'était pas seulement pour faire le modeste ou pour jouer avec des valeurs. C'est aussi parce que les généticiens, ils sont devenus plus puissants et plus précis dans ce qu'ils racontaient quand ils ont pris conscience des limites de la contribution de la génétique au fonctionnement des organismes. Ils ont compris qu'on pouvait dire que tel caractère était explicable à 25% par des gènes, et dans certains autres à 75%. Et c'est bien de savoir les limites, parce que c'est quand on apprend les limites, c'est une des règles fondamentales de la scientificité des choses, c'est quand on connaît le territoire au-delà duquel nos théories ne sont plus valables, qu'on devient sérieux et qu'on devient solide. Et l'héritabilité, elle est intéressante parce que c'est ce qui est venu mettre un terme au conflit inné-acquis. Exactement. Une autre question, monsieur Casaque Bleu, bonjour. Bonsoir. Bonjour, merci encore pour cette conférence. Pour revenir un peu sur la métaphore, enfin tous les termes informatiques dans le gène,
Alors, je ne connais plus les chiffres, mais on lit souvent que le code génétique peut être traduit en je ne sais pas combien de gigas de code informatique. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça a juste un sens de parler de ça ? Ou est-ce que c'est vraiment une simplification faite à outrance pour vulgariser, entre guillemets ? On a 3 milliards de bases. On a 3 milliards de paires de bases. Voilà, si vous prenez... la première réponse que je peux vous faire, c'est qu'à mon sens, c'est déjà un symptôme de ce compagnonnage un peu sauvage entre le lexique de l'informatique et le lexique de la biologie. Bon, je l'ai dit 15 fois, donc je ne vais pas le redire, mais qu'on traduise ça en giga, oui, Craig Venter, qui a séquencé son propre génome, est capable d'avoir son génome sur un CD-ROM, ou enfin, je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est qu'un CD-ROM, mais c'est pas des quantités de... Vu que c'est 4 lettres, 4 molécules différentes qui sont enchaînées dans une séquence particulière pour chacun d'entre nous, ça vous fait des octets, et puis vous pouvez calculer, c'est pas très très compliqué de calculer la quantité d'octets que vous pouvez avoir. On peut faire cette approximation-là, et c'est notamment parce qu'on peut faire ce type d'approximation que ça paraît, ça fait fantasmer aussi. On dit, avec tant de gigas, je peux mettre tant d'humains dans tant de clés USB, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire, parce que quand vous avez cette séquence pure, bon, comme j'ai essayé de le montrer tout au long de la soirée, vous n'avez que le début de l'histoire. Et encore, je devrais dire qu'une partie de l'histoire, parce que quand je dis le début de l'histoire, je continue à entretenir l'idée que l'ADN est au centre de la vie, qu'il est le début de la vie. Alors je devrais être plus rigoureux, dire vous n'avez qu'une petite partie de l'histoire. Après, il y a comment il se déploie, comment les interactions entre ces différents endroits du génome démultiplient les possibles, parce que vous avez un nombre d'octets qui correspond au nombre de lettres, grosso modo, que vous avez dans votre génome. Mais après, si on se met à vous dire qu'ils peuvent interagir les uns avec les autres, c'est les liens hypertextes dans un livre. Donc ça multiplie le nombre dans un lien hypertexte sur des pages web, dans plutôt. On avait compris. Hein. Voilà. Mais... Un livre, c'est quoi d'ailleurs? Oui, je suis désolé, je crois que j'ai parlé très loin de mon micro pendant toute la soirée, je m'en excuse, j'espère qu'on aura entendu 2-3 choses. Les gens n'aiment pas les problèmes de son. Non, mais je m'en excuse, et je sais que c'est désagréable. Et mais en tout cas, il y a plein de manières, même avec le pur langage génétique, d'envisager d'augmenter la quantité d'informations qu'il contient. Et c'est aussi, notamment parce qu'on peut faire joujou et dire qu'il y a à la fois beaucoup ou pas beaucoup, que moi je trouve ça suspect de quantifier l'ADN et de le réduire à une pure information. Voilà, merci. Merci à vous. Nous avons un autre candidat. Bien le bonsoir, monsieur. Chemise, le t-shirt noir. Une question. Oui, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ma question va peut-être être un peu plus large et traiter de pédagogie. On a parlé donc du programme génétique, on a fait beaucoup de retours sur comment c'était enseigné à l'école, à la fac, tout ça. Ma question va être un peu large. Comme on enseigne par exemple en physique un modèle de l'atome de Bohr assez simple avant d'arriver plus tard sur le modèle des couches électroniques et des choses un peu ardues, qui sont pourtant le réel, comment le réel verriez... Le réel, vous êtes sûr? Du moins, ce qu'on en connaît. Comment on pourrait, de votre point de vue d'enseignant ou d'expert, approcher, justement, déconstruire un peu ça? Parce que je pense que les concepts qu'on a actuellement et qui sont durs à sortir de la population, par exemple, générale, même de la population scientifique, ils sont durs à extraire parce qu'on est bercé là-dessus, on entend parler de ça dans la culture, dans l'enseignement. Et comment vous verriez une façon, justement, d'amener des concepts très flous, on l'a évoqué, très compliqués, un peu plus tôt pour, justement, expliquer aux gens, c'est plus compliqué, c'est pas intuitif. C'est une question redoutable parce que elle parle de pédagogie, puis elle parle aussi de la place de la science dans la société, parce que il y a la manière dont on en parle aux jeunes élèves ou aux jeunes étudiants, mais il y a aussi le fait qu'on vit avec, dans la société, on vous dit que on vous parle de l'ADN de n'importe quoi, l'ADN d'une équipe de foot, l'ADN d'une banque, l'ADN. Enfin, vous voyez, les généticiens ont fait un hold-up d'une certaine manière sur. C'est pas forcément de leur faute à eux pour le coup. Non, mais on leur a volé le mot. Non, oui. En tout cas, ils ont produit quelque chose qui a cristallisé dans la société. Et donc, il y a à parler à beaucoup de couches de la population. Alors, pour en revenir aux élèves, j'ai pas de solution miracle. Par contre, je pense que j'ai pas de problème particulier, je l'ai dit à plusieurs reprises, au fait qu'on commence à parler avec des exemples simples, mais je pense qu'on devrait pouvoir
tout aussi bien dire que ces exemples simples, une fois qu'on les a évoqués, sont des approximations. Je pense que ça ne me paraît pas impossible de dire que oui, il y a quelques cas simples qui permettent de comprendre les effets d'une mutation dans un gène particulier, qui sont utiles à apprendre. Et après, on peut dire assez rapidement que bah, les gènes fonctionnent à plusieurs et que donc ça va peut-être faire que la mutation qu'on avait vue dans un gène, ben, elle peut finalement pas être repérée dans tous les cas. Et puis après, on rajoute qu'il y a l'environnement. Enfin, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, et c'est pour ça que j'utilise le mot de modestie à plusieurs reprises, et encore une fois, ce n'est vraiment pas pour me donner le beau rôle ou pour jouer au modeste. Mais vous êtes le plus mais, modeste. Oui, voilà, comme dirait Achille Talon, je suis le roi des modestes. Mais je pense qu'il faut, résister aux sirènes du triomphalisme. Et la génétique a beaucoup reposé sur les réalisations extraordinaires de la biologie moléculaire. Je l'ai beaucoup critiqué, mais ça a permis de faire des découvertes absolument fondamentales, y compris en utilisant cette métaphore du programme. Donc c'est peut-être un peu tard dans la soirée que je reconnais que ça a eu aussi des effets. Mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup pour eux. Non, non, mais on salue tous les biologistes moléculaires qui nous regardent. Voilà. Non, non, mais c'est important de le dire. Mais par contre, il y a un moment où quand on cale, quand on ne veut pas aller plus loin, quand on se met à se poser des problèmes qui sont issus du langage et pas qui ne sont pas issus des faits, il faut en revenir aux faits. Et je pense que la biologie moléculaire, elle est une science, mais elle est aussi inscrite dans un univers des biotechnologies, par exemple, dans lequel les frontières entre la science et le business sont très troubles, sont très difficiles, et dans lequel, quand vous voyez des annonces sur l'effet de tel gène, il y a une dimension scientifique, mais il y a une dimension de business, et il y a une dimension de prophétie autoréalisatrice. Et la science, elle ne peut pas fonctionner comme ça. La science, elle doit voir son ennemi dans l'idée même de faire des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire de dire des choses de telle sorte qu'on contribue en le disant à ce qu'elles adviennent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, et ce n'est pas en brandissant le programme comme un mantra que ça le fera exister. Pourtant, c'est bien commode, parce que ça permet à chacun d'être spécialiste d'un gène ou d'un petit réseau de gènes, et de le vendre, et d'en faire une start-up, et de faire un business dessus. Et puis un jour de la fermer, je parle de la start-up, parce que ça n'a pas produit assez d'effets. Voilà. Ça, c'est un système qui est bien connu, et ce saucissonnage du vivant, très en accord avec l'économie capitaliste, est un saucissonnage qui est permis par la vente par appartement du vivant dans le cadre du programme génétique, du concept de programme tout génétique. Tout va un peu ensemble, quoi. C'est assez c'est vertigineux, parce que du coup, ça remet en cause la manière dont... Enfin, on ne crée pas une science dans le vide. Non, il y a toujours des choses autour, et c'est toujours très social et très politique, et on ne l'a jamais nié. J'ai essayé de ne pas trop abuser de ça, mais il faut le dire quand même à un moment. Enfin voilà, c'est important. Ça fait, quand on questionne le programme, ça fait partie des conséquences sur l'eugénisme et sur le transhumanisme, voilà, ça déborde les sciences. Oui. Et voilà, on n'a pas la solution, mais on peut pointer le problème. Y aurait-il d'autres... On a encore 5 minutes. Merci beaucoup. On a 5 minutes, on peut prendre encore une question, et puis après on conclura. N'hésitez pas, c'est bien de... Il n'y a pas de questions. Ah si, il y a des questions bêtes, mais on peut être intelligent et poser une question bête qui est importante à poser, je suis sûr. Donc, et les questions bêtes... La plupart de mes questions étaient bêtes. Hein. Les questions bêtes donnent parfois des réponses auxquelles on n'aurait pas pensé. Eh oui. Non. Beaucoup de grandes découvertes sont parties d'une question bête. Qu'est-ce que ça fait si je mets mon doigt là? C'est bête. C'est votre dernier mot. En vrai, profitez-en, on est de retour là, c'est le moment de nous poser des questions. Et là, vous êtes sûr que je les verrai? Bon. Alors, c'est votre choix. Eh bien, tant pis. Donc, je me retourne vers notre invité. Et moi, je me rassieds. Voilà, donc, on a parlé de la différence entre code et programme, hein, c'est ça qu'on avait parlé là-dessus, sur le problème de la régression infinie, sur s'il y a un programme, à un moment donné, ça sort d'où et c'est très vertigineux. Bon, j'ai déjà posé la question, mais je vais quand même y revenir. Comment on fait à l'école, au lycée, puisque ça a été un peu évoqué, comment on enseigne la génétique? Alors, vraiment, on n'enseigne que les prémices, on enseigne que des trucs de base, les cas les plus simples, sans parler de programme. Il y a des profs, les gens qui nous regardent, c'est tous des profs. Hein, donc, comment ils font? C'est tous des profs de SVT. Comment ils font pour enseigner sans utiliser des concepts qui peuvent après mettre les élèves dans une vision de voir les choses qui les rend peut-être un petit peu plus manipulables par certains types de propos derrière?
Oui, bien sûr. J'ai déjà un peu en partie répondu. C'est-à-dire que je pense qu'on peut partir d'approximation et puis expliquer après. Et c'est un acte pédagogique intéressant de montrer quelles en sont les approximations. Je pense que la génétique, plutôt qu'une science du programme, est plutôt une science de la diversité, une science qui montre, qui met en avant l'utilité de la diversité, en particulier de la biodiversité. Je pense qu'on peut peut-être de manière plus puissante partir de ça pour enseigner la génétique. Et voilà, après, je pense que il faut se défaire de concepts qui sont inutiles. Il faut s'en défaire. On peut parler. Est-ce que les manuels sont à jour? Non, pas du tout. Ils sont pas du tout à jour. C'est quoi? C'est les éditeurs de manuels. Là, vous nous écoutez un petit peu? Non. Alors, il y a des efforts qui sont faits. Je pense que. D'ailleurs, on a cité Guillaume Lecointre. Il travaille là-dedans. Il travaille sur ces questions-là et il permet aussi de transmettre ça à la communauté des gens qui fabriquent les manuels et les programmes éducatifs, pour le coup. Oui. Mais oui, quand vous avez, par exemple, c'est tout simple, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand vous avez dans un manuel de première année de fac de bio, de licence de bio, que vous avez des cellules avec un signal qui leur arrive à l'extérieur, une cascade de réaction, et qu'on ne vous dit pas à un moment dans la légende, c'est une vision moyenne, toutes les cellules ne font pas ça, et ça c'est juste une vision résultante. Et mais c'est ce qu'on demande aux gens d'apprendre, parce que c'est ça qu'ils vont restituer, et c'est là-dessus qu'on les note, on voit les notes sur leur capacité à restituer ce qu'on leur a appris. Si ce qu'on leur apprend c'est qu'en fait c'est le bordel et que c'est flou, la note va pas être terrible. Le vivant c'est du hasard, ça c'est la partie bordel, mais c'est de la sélection aussi. Ouais. Et c'est ça qui permet de retrouver un principe d'ordre biologique. C'est pas seulement du hasard, parce que ça fait peur le hasard. Enfin, moi je comprends pas, mais il y a plein de gens qui ont peur du hasard. Et ça, c'est vertigineux, c'est un vertige existentiel de s'en référer au hasard. Mais ce que Darwin a dit de fabuleux, c'est le hasard et la sélection. C'est pas le hasard tout seul. Oui. Et c'est pas la sélection tout seul. Et la sélection, c'est pas le hasard du tout. Voilà. Ah bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Conclusion. C'était une belle émission. Oui. Mon micro. Ah, ça y est. Non, je disais merci. Mon micro. Merci. Mon micro m'a lâché. C'est important de dire merci. Oui. Merci encore à l'équipe. Oui. Vous pouvez nous aider à continuer de fonctionner, surtout si on n'a plus d'aide de l'université, en faisant des dons sur HelloAsso, sur Patreon, sur Tipeee, sur je ne sais plus quoi. Voilà. Il y a des formes de mécénat moderne qui nous aident. C'est grâce à vous qu'on peut. Attends, on a deux belles caméras. Normalement, l'image est bonne. Le son devait être pas mal et l'image va être très bonne. Donc, merci à ceux qui sont là. Et puis, on vous prépare. Pour le mois de novembre, la date précise, c'est normalement le samedi 12 novembre, mais on vous validera ça. Alors j'espère, parce que moi j'ai tout commencé à préparer. La nuit zététique 2, et oui. On va revenir, donc il y aura plein de gens de toute la France qui vont venir à Nancy toute la nuit, on va faire des lives. Et j'ai oublié la thématique de l'ouverture de la tranche, je ne sais plus ce que c'est. Le droit et la science. Je ne suis pas sûr que si c'est ça. Bon, peut-être. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'en zététique on a repéré qu'il y avait un problème scientifique de pseudo-science pour transformer ça en une action pour empêcher les gens d'escroquer les autres? Nous, on ne sait pas faire ça. On n'est pas des juristes. Donc, il y aura ça comme thématique. Il y en aura d'autres. Et pour ça, pour que ça se produise, dans le chat, on va vous glisser un lien et je le mettrai dans la description, un lien pour nous aider à financer cette soirée qui. L'an dernier, ça nous a coûté un peu plus de 3000 euros. On compte rendre ça plus accessible avec des... J'allais faire un petit topo dessus. Ouais, alors, donc oui, cette année, ça va nous coûter un petit peu plus cher, notamment parce qu'on aimerait faire intervenir des interprètes en langue des signes française, afin que toutes les tables, malheureusement, ce sera impossible d'avoir des interprètes sur l'intégralité de la nuit, mais au moins les premières tables... qu'elle soit accessible en langue des signes française, et vous avez plutôt intérêt d'ailleurs à ce qu'on ait des bons interprètes, parce que la deuxième table sera intégralement en LSF, et vous serez content d'avoir des interprètes qui pourront les traduire en français, si vous ne parlez pas la langue des signes. Donc cet événement, voilà, il est intégralement financé par nous et par vous, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas Big Pharma ou Coca-Cola, hein, donc si vous voulez que ça ait lieu, et que ça passe en bonnes conditions, et qu'on se dise, tiens, on a eu assez d'argent, du coup on pourra recommencer une troisième fois, voilà, entre maintenant et novembre, aidez-nous s'il vous plaît. Donc rendez-vous le 19 octobre pour un prochain live. D'ici là,
Il y aura normalement le documentaire sur Fatima, le miracle de Fatima, le montage avance, la musique est presque prête. La musique, bien sûr. Tu y penses, en tout cas. On aura les rayons N, c'est pas sûr qu'on les aura d'ici octobre, non, mais avant la fin de l'année, peut-être, avant décembre. C'est Corentin qui sera le réalisateur de ce documentaire sur les rayons N. N comme Nancy, vous verrez, ce sera intéressant. Et puis, il y aura d'autres petites surprises. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'était là, la caméra. Pensez à partager l'émission si elle vous a plu. Achetez le livre Infravie qui explore les frontières du vivant, parce que le vivant, ce n'est pas ce que vous croyez, en fait. C'est plus compliqué que ça, et donc plus intéressant. Et puis, allez vous inscrire à AgroParisTech. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a plein de gens bien. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de mon travail. Merci beaucoup d'être venu là. À part ça, il n'est pas venu vendre des trucs, hein, ce monsieur-là. C'est moi qui voulais parler du bouquin. Il n'a rien demandé du tout. Il est venu parce qu'il aime parler de la science. Il fait ça gratuitement. Et pour ça, on va l'applaudir. Merci d'être venu. Merci. Bonne nuit. À bientôt.